Ok, vous êtes beau. Bonjour et bienvenue dans ce one shot spécial My Little Pony. Pour une fois, oui, pour une fois, Roland Plain ne fait pas des larmes et du sang. Aujourd'hui, on va être dans les paillettes, le rose, les nuages, les arcs-en-ciel, tout ça, avec plein de copains, dont une invitée spéciale qui est Trinity, qu'on a déjà marre. J'en peux plus de fatigue. Ça fait 2 minutes, je suis déjà au bout, là. T'avais dit de pas t'asseoir à côté de moi. Moi, je l'ai évité, hein, je ne suis pas obligée. Oui, mais ça va très bien. Hein. Ouais, parce que oui, ça va. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Donc, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. M'a dit paillette, poney, je suis venue, quoi. C'est parfait. Alors c'est drôle parce que c'est quand même My Little Pony, c'est quand même un jeu qui est joué aussi par des vieux barbus, quoi. C'est ça qui est très très drôle. C'est comme tout comme les comment on appelle ça, les fans de Mon Petit Poney. Il y a des adultes qui sont fans de Mon Petit Poney, qui ont tous entre 30 et 40 balais, qui ont regardé tous les épisodes, qui connaissent tout par cœur. Bref, c'est une série qui touche toutes les générations. Ou presque. Moi, j'ai dû me taper plusieurs saisons de Mon Petit Poney pour faire cette émission. Je n'en suis pas encore remis. À vous, t'as aimé. Non, mais c'est... Alors, attends, tout à l'heure, le coup, nous dire, oh, c'est super bien construit. Non, mais c'est, par contre, pour le coup, c'est vachement bien. Non, pour le coup, c'est vachement bien. C'est vrai que la série est vachement bien et c'est vrai que le jeu est vachement dans l'esprit, je trouve, de la série. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne avec vous. Vous avez l'habitude de tuer des gens et de pleurer et de tuer des gens et de pleurer juste après les avoir tués. Dans un ordre ou dans un autre. Ou de pleurer et de les tuer, enfin, peu importe. Cette fois-ci, on va changer un petit peu d'ambiance. On va faire des petits poneys. Chacun aura un poney qui vivent à Poneyville. On fera des blagues, ça va pas nous changer, par contre. Sans Marc Willen. Sans Marc, qui n'est pas avec nous. Marc, si tu nous regardes. Bon courage. Bon courage. Il s'est engagé dans l'armée, donc il revient. T'as vu ce que t'as le gros marteau. Vous ne le reverrez jamais plus. Là. Allez. Eh bien, on va commencer tranquillement par présenter les personnages, histoire qu'on sache un petit peu qui vous êtes, qui vous faites, ce que vous faites, etc. Alors, ils ne jouent pas les petits poneys du dessin animé. C'est des petits poneys faits sur mesure. Voilà, pour cet épisode-là, puisqu'on va considérer que Fluttershy, Rainbow Dash et compagnie ne sont pas à Poneyville et que ce sont à nos amis de sauver la situation cette fois-ci. Oui, il y a de la pression un petit peu. Il y a de la pression. Grosse pression. Tiens, allez, commençons. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle donc Jolly Smile. Je suis un poney terrestre. Et je suis plutôt bien habillé. J'ai un petit côté comédien, comme ça. J'aime bien jouer. Et j'aime tout ce qui brille. Voilà. J'aime les bijoux. J'aime les beaux vêtements. J'aime être beau. J'aime être élégant. Ça se voit. J'aime plaire. La preuve en image. Faites des captures d'écran. Moi, je m'appelle Sparkle Joy. Je suis aussi un poney terrestre. J'ai des pouvoirs de guérison, mais je suis un petit peu naïve, tout petit peu. J'ai une belle et longue crinière qui part d'un dégradé de violet, rose jusqu'à orange, et je suis couleur bleu nuit. Salut, moi c'est Luna Joy, et je suis une pégase, et j'adore rigoler. Et je communique super bien avec les animaux, et j'adore voler aussi. Je suis super forte. Je parle très fort. Et j'ai les cheveux jaunes. Et j'ai 2 oreilles comme ça. Et tu louches aussi? Oui, un peu. Comment tu louches? Comme ça. Et je suis contente d'être à Poneyville. Voilà. Eh bien, moi, je suis Firefly, je suis un Pégase, alors je peux voler. J'ai top la classe, quoi. J'ai une crinière de feu, avec une queue de feu, avec des ailes... De feu? Non. Avec des ailes en plumes. Voilà. En plumes, de feu. Et, ah ouais, et je peux faire les gros yeux, comme ça. Ou des fois comme ça. Moi aussi comme ça. Comme ça. Mais je peux le faire qu'une fois. Alors faudra bien choisir ton moment.
Et par contre, voilà, j'ai un franc-parler qui fait que je manque un peu de tact des fois, mais bon, c'est les autres qui sont susceptibles, c'est pas ma faute. Voilà. Ça y est, t'as fini ? Ouais, j'ai fini. Ok, alors moi, je m'appelle Happy Shakes, et je suis une licorne, je suis la seule licorne du groupe. Et moi, je suis toujours dans la bonté, parce que j'aime beaucoup mes camarades. C'est la bonté. Et moi, je suis une licorne qui a beaucoup d'instinct. Et je sens, voilà, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me titille un petit peu la corne, les oreilles ou la queue quand il va se passer quelque chose de pas très bien. Alors voilà. Et puis sinon, je suis parfaite. Sauf un petit truc, voilà. C'est que j'ai quelques petits problèmes de vue. Enfin, des petits problèmes de vue. Des gros problèmes de vue. Enfin, certains disent que je suis complètement miro, mais... C'est-à-dire que dès que j'enlève mes lunettes, ben... Oh. Oh, les copains. Ah voilà, je vois plus rien. Je suis complètement miro. Elle voit plus. Elle voit. Voilà, comme vous le voyez, on est bien barré. Je suis bien barré. Je vais. Alors, parce qu'on a, on a un temps limité pour faire tout ça, je vais mettre un petit timer quand même en route, histoire que. Ouais, je pense qu'il faut là. Hein. Je pense qu'il faut. Il y en a besoin. On va vite passer sur le système, parce que alors pour une fois, sur ce let's play, on n'a pas besoin d'expliquer en long, en large et en travers le système, etc. Il est super simple. Quand je leur demande un jet, en fait, ils prennent. Le dé correspondant à la caractéristique que je leur demande, c'est des 8, des 4 ou des 6, grosso modo. Ils le jettent et puis on voit le résultat, tout simplement. Et il y a la petite astuce des symboles d'amitié, qui sont des petites gemmes qu'ils ont devant eux, voilà, qui leur permettent de relancer les dés ou de même réussir automatiquement. Et c'est des symboles d'amitié qu'ils peuvent se donner entre eux parce que ce sont des amis et que c'est le pouvoir de l'amitié qui permet de triompher de toutes les épreuves. Voilà. C'est beau. Toi, t'aimes tout ce qui brille, tu vas les garder là. Il va être là. Pour voir, mais l'amitié. Non, je ne donne pas ça. C'est à moi, le donne pas. Non, ouais, je le donne pas, c'est à moi. Ouais, il aime tout ce qui brille, lui. Ah ouais, je ne donne pas, mais j'aime. Donc, nous commençons, parce que je ne sais plus parler. Nous commençons notre aventure dans le formidable monde d'Equestria, dans la petite ville de Poneyville. Poneyville, hein, qui est la ville dans laquelle se passent les aventures de nos héros, normalement, dans le dessin animé, de nos héroïnes, d'ailleurs, dans le dessin animé. Mais, depuis quelque temps, elles sont parties. Elles sont parties en mission, loin vers le nord. Vous ne savez pas trop ce qui se passe, mais c'est sur vous que va reposer désormais la sauvegarde de Poneyville contre les terribles dangers qui pourraient la menacer. Et ce petit matin, alors que vous êtes en train de vaquer à vos occupations, l'un des poneys, un poney que vous connaissez bien parce qu'il est assez connu pour son côté un petit peu autoritaire, un petit peu têtu, on l'appelle Granny Smith, qui est donc une poney, eh oui, c'est Granny Smith, une poney un petit peu, alors elle a la robe verte, elle est un peu vieille, elle commence à être un petit peu... Elle est un petit peu vieille, non, elle est verte, vert pomme. Okay. Elle est un petit peu vieille, elle est connue pour être un petit peu autoritaire, elle se trimballe toujours avec son casque de soldat sur la tête, elle a dû faire partie certainement de l'armée de Cantlot, qui est donc l'endroit où se trouve le château de la princesse Celestia. Bref, elle vous réunit. Attends que vous soyez tous arrivés, en tapant du sabot sur le sol, impatiemment. On est dans la rue, là. Vous êtes dans l'une des maisons, certainement la maison de Granny, d'ailleurs, dans l'une des maisons du village. Et très bien. Je vois que vous êtes tous là. Alors, il ne reste plus que vous pour m'aider à organiser la fête que nous allons mettre en place dans les jours qui viennent. Ouais. Ah bah ouais, on est motivés, hein. Ouais. C'est une très bonne idée. Sachez que nous allons accueillir une certaine Moondancer. Moondancer? Moondancer, c'est une licorne. Ouais. Je vous dis, c'est la meilleure licorne
de tout Equestria. C'est la plus puissante, la plus grande, celle qui fait les plus grands tours de magie. La plus stylée. Wow. Bien évidemment. La plus stylée. Bien évidemment. Plus stylée que moi. Est-ce qu'elle sait faire le moonwalk? Putain. Wow. Très bien. Brushing qui en a pris un coup. Moon Dancer est surtout la plus incroyable performeuse de Jew Manhattan. Incroyable. Ouais, super, j'ai hâte de voir ça. Bref, nous devons organiser la fête et j'ai besoin de votre aide, absolument, parce que c'est le bazar. Il n'y a pas un poney pour tenir un autre. Alors, je vous ai fait une petite liste de tâches. Elle prend un... Avec ses sabots, elle prend un parchemin qui va dérouler sur le sol jusqu'au bout de la table. Oh là là. Ça, c'est de la liste. Tout ça doit être réalisé dans 2 heures. 2 heures? Ouais. Ouais. Mais ouais. C'est impossible en 2 heures, on n'y arrivera jamais. Mais si, on y arrivera, il faut y croire. Crois-y, tous ensemble. Est-ce que vous avez des confettis, des paillettes pour la fête? Ça doit être dans la liste. Ce n'est pas sur la liste. Ah, c'est pas dans la liste. C'est dommage, faudrait peut-être le rajouter, non? Ce n'est pas sur la liste. Alors vous faites ce qui est sur la liste et après on verra ce que vous allez faire. Parce que on verra. Hein? Moi j'aimerais bien quand même des confettis et des paillettes. Eh bien on fera des confettis et des paillettes si on a le temps. Mais pour l'instant, faites-moi la liste. Hein? Ben, je vous laisse à votre tâche et eh bien... bon courage, moi je vais me coucher. Ouais, tu peux compter sur nous, Granny. On y va. On s'en occupe, Granny. Eh madame, madame, vous avez mangé beaucoup de Granny aujourd'hui. Ah. Attention, ça a failli fissurer. Elle, elle te regarde juste avec un air un petit peu dépité. Et puis ferme la porte. Wow. Va falloir revoir ton humour, Lunette Joy. Bah j'y travaille, hein. Elle était bien ma blague. Ouais, bah travaille plus dur, hein. T'as failli fissurer les verres de mes lunettes. Bah non. Si. Ça fait une sacrée liste. Ouais, mais tous ensemble, on va y arriver. En 2 heures. Bien sûr, on est fort. Mais alors, il y a quoi sur cette liste? Allez, c'est parti. Alors, il y a plein de choses sur cette liste. La première, le premier point de la liste, c'est faire une liste. Ah bah, ah ouais. Ça s'est fait, du coup. Oui, donc le premier, il est fait. Donc le premier, vous pouvez le rayer. On le raye. En fait, c'est, vous avez tout, c'est vraiment mes points par point, c'est-à-dire amener la première chaise vers la première table, amener la deuxième chaise vers la deuxième table, okay. Amener la troisième chaise vers la... etc. etc. Je m'occupe d'amener les chaises. Et grosso modo, la liste, c'est effectivement aller récupérer des tables, aller récupérer des chaises et monter une scène, surtout. Et puis préparer un gâteau aux pommes. Oh ouais. D'accord, préparer un gâteau aux pommes. Un grand gâteau aux pommes, un immense gâteau aux pommes. Pour tous les poneys de Poneyville. Et pour Moon Dancer. Pâte à choux à la pomme. Choux à la pomme. Qui c'est qui sait faire un gâteau? Bah, j'imagine qu'elle a dû laisser la recette. La non. Tête. Ah. Ah non. Oh là là. Ben... faudrait peut-être qu'on aille en cueillir dans les arbres. Les pommes. Est-ce que c'est sur la liste? Moi, pendant ce temps, du coup, j'ai sorti un tout petit miroir. Et je suis comme ça. Bon. Jolly Smile, alors, on a une mission. Hein? Eh oh! Moi, je fais claquer mes deux sabots. Ok. Bon, répartissons-nous les tasses. Alors? Bon, alors, qui fait quoi déjà? Eh ben, on va chercher des pommes, t'as dit d'aller chercher des pommes. Moi, je vais chercher des pommes. J'adore les pommes. Toi, tu t'occupes des 16. Ouais. Je m'occupe des 16. Qui vient avec moi chercher les pommes? Eh ben, ceux qui volent. Parce que s'il en faut beaucoup, je peux pas y aller toute seule. Ceux qui volent, c'est plus simple. Non. Allez. Ok, je viens avec toi. Ah nous, on va chercher les pommes. Eh ben, moi, le regard du désespoir qu'elle m'a lancé, t'es... Non. Je vais chercher des pommes avec elle. On s'aime tous, je vous rappelle. J'ai dans l'amour et la bienveillance. Joy. Bon, moi, je vais chercher... Je vais chercher une recette. Je vais chercher une recette pour faire le gâteau. Mais d'ailleurs, vous voulez pas attendre la recette avant d'aller chercher les pommes? On sait même pas combien il en faut. Un gâteau aux pommes. Un gâteau aux pommes, il faut des pommes. Mais il en faut 12 ou il en faut 47? Il y a combien d'invités? Tous les poneys de Poneyville. Tout Poneyville. Et ouais, ça fait combien? Et ben, ça fait qu'on est beaucoup. Donc il faut beaucoup de pommes.
Voilà, c'est tout. Combien sont-ils la démographie, s'il te plaît. La démographie de Poneyville. Oh, tu dois bien avoir, je sais pas, une grosse centaine de poneys. Ah ouais, ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde. Au moins deux pommes par personne. 100 poneys, ça fait 100 fois 2, ça fait 200 pommes. Oui, c'est très bien, 200 pommes. Et puis s'il en manque, on retournera en Cersei. Allez, c'est parti. Eh ben allez, on s'envole. Je te propose qu'on y aille en volant. Waouh. Wow. Et la moitié éteint ma crinière, tu sais, quand t'es à la rigolette. Ok. T'as le feu qui est... Préviens-moi, la prochaine fois, je boucherai mes oreilles. Et donc nos deux Pégases s'envolent. Voilà. Et se dirigent vers les champs de pommes. Que font les autres? Moi, je pars à la recherche d'une recette de gâteau aux pommes. Très bien. Où est-ce que tu vas chercher? On a une bibliothèque. Ouais. Et ben, je vais à la bibliothèque pour chercher le meilleur recette de gâteau aux pommes. La bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est en fait un grand arbre dans lequel a été aménagée la bibliothèque. C'est là où vit Twilight. En réalité. Ah oui, c'est vrai. Avec le petit Spike, le petit dragon, qui l'accompagne tout le temps. Mais ils ne sont pas là. C'est qui excusez-moi, mais ouais. Excusez-moi de ne pas être une aficionado de Twilight. J'ai l'impression que tout le monde a réagi. Moi, j'ai pensé au vampire là, mais. C'est le personnage un petit peu central de la série, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Je connais pas leur nom, mais ok, d'accord, je vois. Ok. Voilà. Et Spike, c'est un petit dragon qui l'accompagne et qui lui permet de consigner tout ce qui se passe et d'écrire à la princesse Célestia. Parce qu'elle fait elle écrit régulièrement, elle fait des comptes rendus à la princesse Célestia de ce qu'elle a appris sur l'amitié à chaque épisode. D'accord. Alors c'est fermé, tu dis? Non, je dis, ils ne sont pas là. Donc effectivement, tu dois normalement, ça serait Spike qui devrait t'orienter vers les bons livres, mais tu vas devoir te débrouiller toute seule. Je regarde si je trouve très rapidement quand même un livre de cuisine avec une recette. Sinon, je me dis que si je trouve pas tout de suite, je vais plutôt aller à la fabrique de gâteaux. On a bien et je vais demander conseil à la ponette qui fait les gâteaux. Et comme ça, je vais demander si elle peut me donner des conseils pour avoir une bonne recette pour 200 personnes. Vu qu'elle sera aussi invitée à la fête, elle pourra aussi en profiter. J'en profite pour lui dire qu'il y aura bientôt la fête. Fais-moi un petit jet d'esprit, s'il te plaît. Allez. Avec un D4, alors. Ouais. Critique. Pourtant, c'est mes lunettes. C'est bien cherché, mais c'est pas trouvé. Alors, un 1 sur un dé est toujours un échec. Voilà, quel que soit le dé et quelle que soit l'épreuve, fort malheureusement. Tu vas y passer du temps, tu vas y passer une bonne heure à sortir tous les livres, à les chercher. Et en fait, à la fin, alors que tu te rends compte que tu n'as absolument pas trouvé un seul livre de cuisine, tu te retrouves sous un tas de livres entassés au milieu de la bibliothèque. Et tu te rends compte qu'il va falloir que tu ranges tout ça. Mais j'aurais jamais le temps. Alors, je peux utiliser ma télékinésie pour que pour les ranger le plus rapidement possible? Tu peux utiliser ta télékinésie pour essayer de les ranger plus rapidement que ce que tu aurais dû. Jette-moi un dé de télékinésie. C'est un D6, si je ne me trompe pas. Allez, go! Double paix, alors! J'en suis qu'à deux. Oui, mais c'est pouce. On est qu'au début de la partie. Ouais, c'est un peu bidon d'utiliser ça pour ranger des livres. Et du coup, en fait, tu commences à essayer de... Tu commences à ranger les livres. Ta corne s'illumine et les livres commencent à s'envoler et à se ranger. Et en fait, tu te rends compte que petit à petit, tu perds un petit peu le contrôle. Et en fait, les livres commencent à s'animer un petit peu à droite, à gauche et se mettent à voler autour de toi et à partir dans tous les sens. Ça va te prendre encore une bonne grosse heure pour réussir à ranger le tout. Et effectivement, au bout de 2 heures, tu ressors de la bibliothèque totalement décoiffé. Mais attends, on doit pas la fête pour dans 2 heures? Si. Donc en fait, toi, t'as j'ai fini la partie. Elle a raté la fête. Quoi? Non. Bah si, tu m'as fait 2-1. Oh non. Mais la fête est dans 2 heures.
Du coup, on a improvisé sur la recette, là. Eh bah, du coup, on va prendre la suite. Je suis jamais revenue. Avec... vous allez vous apercevoir en passant qu'il y a, y a un bouquin pas possible dans la bibliothèque. Vous savez pas trop ce qui se passe. À un moment, vous, voyez par, vous la voyez par une fenêtre avec sa corne et en train d'agiter tous les livres. Que fait-elle? Je n'en sais rien, vous, vous êtes en train de mettre en place les chaises, la scène, etc. Ouais. Tout va bien, tout est sous contrôle de votre côté, tout est sous contrôle. Okay. On gère les chaises. Vous gérez les chaises, mais alors, on est terrestre, de manière un clac, 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 clac. Mais c'est ça, exactement. Hyper organisé. Exactement. Tu peux faire un jet pour ça? Pour des tables et des chaises. En fait, à la main, il y a pas de pour ranger des livres, excuse-moi. Quant à vous deux, vous vous envolez jusqu'aux champs de pommes qui sont hors de Poneyville. Enfin, aux champs de pommiers, pardon, qui sont hors de Poneyville. Parce que c'est plutôt des pommiers que des pommes. Un champ de pommes, Un champ de pommes. C'est que des pommes, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a que des pommes. C'est comme ça, Poneyville. Effectivement, vous vous retrouvez, alors, il fait chaud, il fait beau. Effectivement, les pommes sont belles, bien rondes. Elles sont prêtes à être cueillies. Mais par contre, putain, il y en a... Enfin, les champs sont immenses, le verger est immense. Oh, regarde, Firewayfly. Oh là là, on va faire comment pour ramasser toutes ces pommes? Je sais pas, nous les Joy, mais en tout cas, on a ce qu'il faut. Il faudrait qu'on trouve, genre des grosses sacoches, quoi. Bah ouais, mais on aurait dû peut-être y penser avant. Bah oui, au lieu de dire des blagues qui sont pas toujours très drôles. J'essaie d'être pas trop méchante. Non, mais, tu manques de tact. Oui, voilà, c'est vrai. Bon, moi je regarde autour si je vois qu'il y a, enfin, est-ce qu'il y a des paniers, est-ce qu'il y a des poneys qui sont en train de cueillir des pommes ou qui cultivent. Fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît. 4. Come on, baby. 4. Oui. Succès critique, non? Non, pas succès critique. Malheureusement, c'était pas deux fois la difficulté de l'épreuve. Ah, merci. Mais c'est bien, c'est bravo. Tu réussis. commences à survoler, tu observes autour de toi, et là, tu vois vers. Alors, il y a une. Donc, il y a ce grand verger, et au sommet d'une petite colline, tu as la grande grange dans laquelle s'entreposent les pommes, etc., quand elles sont ramassées. Faut voir ces grandes granges un peu à l'américaine, là, un peu en ogive. Et à l'entrée de la grange, tu vois un petit peu de fumée, comme si quelqu'un était en train de courir avec la terre qui se soulève comme ça. De courir? Ouais, ah de oui. Courir. Ah oui, okay. tu vois cette espèce de poussière comme ça qui se dégage. T'entends un petit peu de boucan et puis ça s'arrête. Et là, tu vois sortir Big Mac. Big Mac. Celui qui gère les champs de pommes. C'est un poney adulte. Donc il y a déjà de la bouteille. C'est lui qui gère tous les pommiers. Et, on le connaît. Ouais. Il a un poney avec une robe rouge, des cheveux jaunes, enfin une crinière jaune. Moi, je toujours vois, un petit sourire en coin. D'accord. Moi, quand elle voit ça, moi, je le vois également. Et donc, oui, vous l'apercevez tous les deux. Regarde là-bas, il y a Big Mac! Et moi, je fonce. Je l'attends pas. Mais. Et puis, je fonce après elle. Mais... Fais-moi un jet de vol, s'il te plaît. Fais-moi un jet de vol. Ouais. 4. Normalement, t'as un D6 en vol. Ah non, pardon. Je prendrai le meilleur des deux. 3. Ok. Tu voles, tu fonces. Fais-moi un jet de vol aussi derrière pour voir si tu la rattrapes. Attends-moi, Luna Joy. 5. Ok, joli. Tu fonces, soit tu essayes de la rattraper, tu commences à arriver vers elle. Et tu, en fait, au dernier moment, alors que tu allais par enthousiasme certainement lui rentrer dedans, tu le vois qui se décale légèrement, et tu réussis toi aussi à l'éviter, tu rentres dans la grange. Tu ressors de l'autre côté. Tu vois, j'aurais fait un trou dans le... Ouais. Et Big Mac qui vous regarde. Moi, je le regarde comme ça. Salut, Big Mac. Ça gaze. Salut, Big Mac. Ça roule.
Elle fait des loopings. Elle a un petit problème, non? Elle est en forme aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, on aurait un service à te demander, Big Mac, parce que y a Granny Smith, tu sais, bon, et ben, elle nous a demandé d'organiser toute une fête en seulement 2 heures et on doit préparer genre un gros gâteau aux pommes pour tout Poneyville. Est-ce que tu pourrais genre nous donner des pommes? Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît. Ah, charme-le. Charme-le, Big Mac, allez. Sans lui cramer les poils. Deux. Un. Deux. Deux pommes. Voilà. Tiens, hop. Eh ben, vous avez qu'à aller ramasser. Il y en a plein. Je vous donne des paniers, si vous voulez. Oh, d'accord, mais on est que deux, et la fête, c'est dans 2 heures. Et en plus, je suis avec Loon et Joy. Ouais, mais vous comprenez, j'ai plein de trucs à faire, moi. Il faut que j'organise des machins, que j'aille là-bas. Ça fait longtemps. Là-bas. Il montre avec son sabot un coin de la forêt pour ramasser des trucs. Voilà. Vous voyez, des trucs. D'accord. Eh ben, merci, Big Mac. Merci. Alors, du coup, bah... Alors moi j'ai pas de main pour prendre les paniers. Alors ouais, mais c'est pas grave en fait. Les poneys n'ont pas de main, mais ils utilisent leurs sabots comme des mains. Donc tu peux mettre les paniers sur ton dos et récupérer. Alors les je pommes. Mets les paniers sur le dos de Loon et Joy. Moi j'arrive. Alors t'as trouvé des paniers? Oui, j'ai trouvé des paniers. Et dépêche-toi, il faut qu'on ramasse toutes les pommes maintenant. Mais il est où Big Mac? Il est parti. Il a eu peur. Ah bon? Bah ouais. T'as vu l'entrée fracassante que t'as faite? Bah attends, t'as vu comment je suis arrivée comme ça? Wouah! J'ai glissé tous les 20 dérapages de fou! Bah ouais, le mur s'en souvient encore. Et là, il y a le mur avec... j'entends... ta silhouette imprégnée dedans, c'est... Ouah, t'as vu, c'est un truc de ouf! Allez, suis-moi, on n'a pas de temps à perdre. Et alors, on prend les paniers qu'il faut et puis on commence à ramasser le plus de pommes possible. Faites-moi toutes les deux un jet de corps, s'il vous plaît. Corps? Ouais. Comment? Pour 4? Non, c'est un D6. Non, moi c'est forcément. D4. Oh, d'accord. Vous avez ah oui. Même. Vous n'avez pas les mêmes caractéristiques. Même alors moi je fais 3. 4 et 3, ok. Vous mettez à ramasser les pommes. Ça va, vous maîtrisez pas trop mal. Moi, ouais, vous maîtrisez pas trop mal. Effectivement, tu vas en manger une ou deux au passage. Mais vous finissez par remplir les paniers, ça va vous prendre bien l'heure. Et au bout d'une heure, vous vous retrouvez avec les paniers remplis. Mais remplis, d'ailleurs, vous avez du mal à voler. Tellement ils sont remplis de pommes. Et on en a combien à peu près, alors? Suffisamment. Pour tout le monde, suffisamment. Suffisamment. Allez, vas-y, on essaie de décoller! Ça va être trop marrant! Ouais, doucement, tranquille, tranquille, ok? On y va, tranquille. Moi, j'y vais, cache. Fais-moi un jet de vol, s'il te plaît. Jet de vol, D6. C'est un bruit d'oiseau. 5. Allez, on est pas joli. Effectivement, tu te mets à décoller. Bon, t'as 2-3 pommes qui vont commencer à sauter dans le panier, puis il y en a une ou deux qui vont partir à droite à gauche, que tu vas rattraper in extremis. Mais effectivement, tu t'envoles et tu voles jusqu'à Poneyville. Yes, well done. Géré. Et vous les voyez, donc tous les deux, vous les voyez débarquer avec des paniers remplis de pommes, avec Loony qui est comme ça. Et j'essaie d'atterrir. Et tu atterris. J'essaie. J'atterris, ok. Du coup, mission accomplie. Nous, on a tout installé. Vous là, vous tout installé. La table, tout est bien. Il y a scène. Des paillettes, on a monté la d'ailleurs, scène. D'ailleurs, je suis évidemment avec mon petit miroir sur scène. tu fais doubleur lumière toi, un petit peu. La beauté, c'est ça. C'est toi. La beauté, tiens, c'est eux. Faites-moi tous les deux un jet de corps. Ouais. Pour voir à quel point vous avez monté la scène. Voir si elle va pas s'écrouler. C'est ça. Ah. Oh, merde. 3 et 2. Ah non, c'est pas le bon. Ah oui, toi, c'est 8. Ouais, c'est 3. Et c'est lequel, le D6 des... Ah non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Ah, celui-là. Non, c'est bon. C'est énorme, alors, j'ai 2, ouais. Et 3. Oui, alors. Il y a bon. un peu de. Ouais, il y a un petit peu de scotch partout. Ouais. Tu vois que la scène est un peu comme ça. Toi, t'es sur scène, t'es en train de faire la beauté. Ouais. T'as le projecteur comme ça sur toi, t'as le projecteur qui fait. Et qui tombe. T'as pas mis la sécu. T'as pas mis la sécu. Mais bon, c'est ça monté, tient. Ouais. Ça tient, et les deux arrivent avec les pommes. Par contre, la recette n'est toujours pas là. Ah.
Vous avez pas vu Happy Shakes? Et là, on la voit. Elle a arrivé comme ça. Non, parce qu'elle, elle est encore en train de... Ah, t'es encore là-bas? Ça fait qu'une heure, là. Vous là, elle est, là elle, est en train de, elle est en train de pleurer parce qu'elle n'arrive pas à contrôler ses livres. Et vous entendez effectivement un barouf pas possible dans la bibliothèque. Vous voyez des livres qui volent à droite à gauche. Ok, on a les chaises, la scène, les pommes. Il nous faut la recette. Il faut qu'on aille voir Happy Shakes pour voir comment elle s'en sort. D'accord. On le voit qu'il y a des livres qui volent. Là, vous voyez des livres qui volent et qui sortent du... Apparemment, elle s'en sort. Waouh, c'est quoi ça là-bas? Eh ben, je pense qu'Happy Shakes s'en sort pas vraiment très bien. Allons la voir. Allez, on y va. Du coup, on galope pour la retrouver. C'est... Tu galopes en rampant, c'est ça? C'est le gars. C'est le gars. Non. Non, vas-y, non, non. Le mec s'est dit, allez-y. Et il part. Okay. Non, tu sais, en petit trot. En petit trot. Puis de temps en temps, comme ça, tu sais, il voit d'autres petits poneys à côté en mode... Et vous arrivez vers la bibliothèque alors qu'effectivement Happy Shakes... J'ai perdu mes lunettes. Happy Shakes, sa corne est totalement illuminée et vous voyez des livres qui partent dans tous les sens, wow. Ça vole. Ça, d'ailleurs, faites-moi tous un jet de corps s'il vous plaît, sur toi. Aïe. Bah, faut que moi deux. Oh. C'est censé. Le jeu de la bienveillance. Le jeu de la bienveillance, c'est de l'amitié. T'as pas compris le but du jeu, toi. Putain, là. Putain, là. C'est drôle. C'est un 1. Oui, c'est un 1. C'est un 1. 2. Okay. Moi, j'ai fait 4. Hein. Oh là là, mais elle est on fire. Vous évitez tant bien que mal les livres, toi tu arrives en volant et tout à coup, alors que tu allais éviter un livre, tu t'en évites un premier, un deuxième qui arrive juste derrière et... t'arrives dans la tête, tu te retrouves en train de faire un petit roulé-boulé par terre. Tu perds 2 points de robustesse, s'il te plaît. Oh, bichette! Oh, là là! Mais attends, mais moi je suis pour rien, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de pleurer au milieu. Moi je vais voir Firey, on dit Firey. Firewayfly. Fireyfly. Ça va Fireyfly, ça va? Et je récupère le livre qui est en train de brûler. Attends, et qui s'envole. Jolie Smile. Wow. Jolie Smile, c'est toi. Je vous entends, mais je vous vois pas. Attends, bouge pas. Et je récupère ses lunettes. Merci. Tiens, regarde. Ah, merci. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Et ça continue de voler autour. Je me suis retrouvée complètement envahie par les livres. Ouais, j'ai pas trouvé la recette. Arrête de les faire voler, peut-être. Arrête tout de suite. Alors, attends, je me concentre. Oui, concentre-toi. C'est bon, j'ai réussi. Fais-moi un jeu de télékinésie, s'il te plaît. Oh, non. Concentre-toi, concentre-toi. Tu peux le faire. C'est pas un doublé le score. Et elle se concentre, et les livres commencent à voler de plus en plus vite autour de vous. Oh, Happy Shake, c'est un truc de fou. Aidez-moi. Donnons-nous le sabot. Mais non, moi ça me fait trop rigoler. Je vais pas te donner le sabot. Bah donne le sabot. Discute pas, donne ton sabot. Mais pourquoi faire, c'est trop drôle. Le pouvoir de nous tous, on va y arriver. Aidez-moi s'il vous plaît. Allez, serrez-vous les sabots. Il faut qu'on se serre les sabots. J'en peux plus. Bon, et là moi, je regarde Luna et Joya et je lui fais les gros yeux. Oula, ça y est. Et moi ça me fait quoi? Eh ben c'est dans le talon. Du coup, je dois maintenir le contact visuel avec la cible et relever un défi de gros yeux. Moi aussi, je dois aller faire le... Non, toi, tu dois faire un jet d'esprit, je crois, c'est ça? Ben, c'est pas écrit. Attends, si, oui, contre l'esprit de la cible. C'est ça. Ouais. Donc toi, tu jettes ton esprit et elle jette ses gros yeux. Ah, wow. Échec. 2. Bah ouais, tu t'as fait 2 fois la difficulté, donc du coup, parce qu'elle a fait 1, t'as fait 1, toi. Ouais. Et ouais, donc ça marche d'autant plus que elle te fait les gros yeux, ça te paralyse d'un coup, et tu donnes les, sabots. Allez, faut qu'on se serre les sabots, allez, concentre-toi. Allez, fais-moi un jet de télékinésie un dernier. Concentre-toi. Jet de télékinésie un dernier. Vous pouvez m'aider avec vos trucs d'amitié? Le pouvoir de l'amitié. Et tout à coup, les livres, boum. Oh, oh merci, merci les amis. Ah, oh, j'ai encore appris une leçon aujourd'hui. Mais c'était trop partir drôle. Partir à la recherche d'une recette tout seul, c'est difficile. Ah, la prochaine fois, je vous demanderai votre aide.
Mais du coup, je recommence à prendre les livres et essayer de les ranger en regardant du coup si ça nous intéresse ou pas, tu vois. Regarde. Non. Non. Et je continue à regarder. Vous le faites tous ? Bah ouais, hein. On tous ensemble. Faites-moi tous un jet d'esprit, s'il vous plaît. Ok. 5. Yes. Il est saoulé. 4. Allez, vas-y. 4. Tu vois, tu commences à crier comme... On fait les mêmes. Vous êtes en binôme, toi. 2 et 2. Voilà. 4. 4, 5 mois. Oh, mais bravo, mais... Ah là là. Et effectivement, vous Désolé, rangez... Désolé, je trouve pas. Ça va vous prendre un bon gros quart d'heure pour réussir à tout ranger. Mais à 5, c'est beaucoup plus facile. Vous rangez toute la bibliothèque et vous trouvez un livre de recettes avec la recette du gâteau. Ouais, bon. On a trouvé grâce à vous, les amis. Bravo. Merci beaucoup. Je vous dis toute ma gratitude. Bah de rien. Avec plaisir. T'as été super courageuse. Merci. Ouais, enfin, t'as un peu fait n'importe quoi quand même. Smile. Hein. Merci. La pire. Sparkly, merci, Luna Joy. De rien. Avec plaisir, copine. Du coup, on regarde la recette. Et il y a quoi en gros? Il y a des choses particulières. Il faut des pommes. Non, ça sera pas compliqué. Vous allez effectivement pouvoir trouver tous les ingrédients et les instruments nécessaires dans la pâtisserie de Poneyville, qui vous permettra de faire un gâteau. Ce gâteau, cet énorme, immense gâteau aux pommes. Yes. Qu'on décore et tout avec de la chantilly, des petites paillettes et des bonbons. Un glaçage en paillettes. Oui, excuse-moi, j'ai ce pâtisserie. Exactement. Est-ce qu'il est bien réalisé? Eh bien, faites-moi un jet de... Ah, ça va être un jet d'esprit pour ça. Allez. Tout le monde? Tous? Ouais. Ou juste... Allez. Tous ceux qui réalisent le gâteau. Well bah moi j'aime attends, bien. Attends. Moi je mets toujours la main à la J'ai fait top chef. 3. Moi j'ai fait 1. Oh merde. Ouais. J'ai fait 4. Okay, faut pas dire les gros mots. Oui, pardon. 4, 3, 2, 1. C'est l'amitié. Okay. C'est l'amitié. Vous allez vous y mettre. Vous. Ça se passe plutôt bien au départ. Le gâteau aux pommes se passe bien. Vous faites l'appareil, vous mettez les pommes dedans, tout va bien. Tout va bien. Bon, toi, effectivement, quand tu commences à remuer, tu commences à en mettre de partout. Ça commence à gicler dans tous les sens. Il y a de la pâte comme ça qui va gicler dans toute la pâtisserie. Mais ça marche. En fait, ce qui déconne un petit peu, c'est le glaçage et compagnie. C'est-à-dire que la base du glaçage est bien faite, mais après, comme chacun veut y rajouter son truc... Là, mets ça. C'est non, ça. Attends, ça va. Là. À la fin, t'as un grand gâteau aux pommes, genre une grande pièce montée, mais avec des bonbons d'un côté, des meringues de l'autre, un morceau de banane. Tiens, ça irait bien. Et des paillettes. Et à la fin, des paillettes qui rendent le truc un petit peu moins comestible. Ah ouais. Et voilà. Waouh. Ça, c'est du gâteau, les amis. Ouais. On peut être fiers de nous. Un vrai gâteau de l'amitié. Vous croyez qu'on peut le goûter? Pas tout de suite. T'es folle. C'est pour la fête. C'est Granny Smith qui l'a dit. On fait juste comme ça. Non, 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 on touche pas. Mais pas tes gros sabots. Moi, je vais pour goûter. Non. Bah, faut bien qu'on sache il est bon. Elle devient autoritaire, ouais, un peu plus là. Faut bien qu'on sache il est bon. Moi, j'arrive avec une petite spatule, je dis tiens, regarde, il en reste un peu, tu peux goûter. C'est trop bon. Voilà, comme ça, on n'est pas obligé de tout casser. C'est pas mal. Il y a des paillettes quand même, ça fait un peu. Ah non, il y a des paillettes. Et d'ailleurs, quand elle tire la langue, il y a des paillettes sur toute la langue, avec un nuage de paillettes. T'as la langue qui brille, Louis Joy. Ça, c'est stylé. Du coup, moi, je fais comme ça. Et avec la gâte. Non, mais c'est pas vrai. Tu l'as pas... T'as mis la main... T'as mis le sabot sur le gâteau? La spatule. La balle. Ah, c'est vrai. Regarde, Joli smile, regarde, il reste des paillettes. Et là, j'en prends un énorme truc dans mes sabots et je lui fais. Et là, il y en a plein la crinière. Beau gosse. Plein la crinière. Je veux dire, et plein la crinière. Vous êtes. Ah non. Vous avez vu? Ça marche. Vous avez vu?
crois que tu ressembles plus trop à rien comme ça, non? Quoi? C'est pas Firefly qui est censé manquer de tact. Moi, je te trouve très jolie. Bon. Et une fois que vous avez fini, effectivement, que toi, t'es en train de t'admirer avec ton visage en paillettes. Ouais. Qui brille. Putain, ça brille. Hein. Wow. Ça brille, ça reflète le soleil. Wow. C'est incroyable. J'ai du mal à regarder, du coup. Ouais, c'est un peu éblouissant. Ouais. Et vous entendez de la musique à l'extérieur qui commence à approcher. Une musique entraînante, un petit peu dansante même. Wow, ça donne trop envie de danser. Moi, je fonce vers la musique. C'est le tatouage que j'ai sur les fesses. C'est les notes de musique. J'adore ça. Parce que je reconnais la musique. J'aime bien, on va voir. Venez, on y va. Ouais, moi du coup. Le malaise. Genre, ouais, grave. Malaise ouais, grave. Complet. Mais tout le monde le sait, hein. Je croyais que c'était pour les enfants. Je crois qu'il vaut mieux que tu te taises, Happy Shakes. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Shakes. Shakes. Happy Shakes. Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? Shakes. Happy Shakes. Je suis pas une chaise. Je suis pas une chaise. Ok, moi je cours en direction de la musique. Moi pareil, je suis déjà partie. Avec mon miroir comme ça, t'sais, en galopant, en me regardant et tout, trop cool. Moi pareil, j'y vais en volant. Et vous apercevez trois poneys. Il y en a une qui est montée sur une espèce de char de wow. défilé comme ça, qui émet de la musique. Qu'est cette musique entraînante, une poney à la robe totalement blanche, la crinière violette, presque wow. brillante, une licorne. Ouais, avec, licorne. Et avec une prestance incroyable, qui regarde un petit peu de haut comme ça. Tout le monde, tout le monde, tous les gens autour qui se massent, tous les poneys autour qui se massent. Et devant elle, il y a deux plus petits poneys. Ça a l'air d'être deux garçons qui ont une tête. On dirait qu'ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Et il y en a un qui marche. Non, pas là. Écoute. C'est du jeune public, mon ami. Il l'a placé. Pas à ce point-là. Ah, tu as voulu faire du Mon Petit Poney. Oh, ouais. Mais putain, j'ai pas parlé, j'arrive pas. Ah, tu sors, quoi. Non, donc pas à ce point-là. Mais non, ils ont une bonne tête de vainqueur, quoi, tu vois. Il y en a un qui est un peu grand et fin, l'autre qui est un peu plus petit et bouboule. Celui qui est bouboule, il est en train apparemment de contrôler toute la musique, machin, etc. Et l'autre est devant, en déclamant Attention, la grande Moon Dancer arrive. Et c'est la grande Moon Dancer. Wow. Moi, je vais vers lui, je dis salut, ça va? Salut, je m'appelle Flim. Salut, Flim. Moi, c'est Looney Joy. Salut, Looney Joy. Tu connais Moon Dancer? Bah non, justement, on doit l'accueillir. Moon Dancer, c'est la plus grande magicienne de tout Equestria. Et je voulais te demander, est-ce qu'elle fait du moonwalk? C'est la plus grande magicienne de tout Equestria. Ils se sont bien trouvés, les gens. Ils ont pas fait. Ouais, vous laissez. Ils ont fait là pour longtemps. Ça fait ça un moment. Donc elle danse pas? Elle fait de la magie. Elle danse pas. Et elle a une lune? Moon Dancer. Vous n'entendez pas, mais on a entendu rire en régie. Bah, c'est-à-dire que... Chef, vous avez une lune? Tu vois Moon Dancer qui regarde. Et puis qui se cale sur son siège. Ça, c'est vraiment la classe. On a fait un gâteau pour elle. Bah, c'est dommage. Pourquoi? Bah, Moon Dancer, danse lune, quoi. La danse de la lune.
C'est logique. J'ai pas tout compris. T'as pas affaire à un mec qui perd. C'est pas une flèche que t'as en face, hein. C'est le... Où est-ce qu'on pourrait poser le cher et aller se reposer? Et il nous faudrait un petit peu d'eau pour Moon Dancer. Il nous faudrait de l'avoine pour Moon Dancer. Il nous faudrait des friandises pour Moon Dancer. Oui. Il nous faudrait un lit pour Moon Dancer. Et il nous faudrait un siège pour Moon Dancer aussi. D'accord. Je vais essayer de noter, les gars, noter. De l'avoine, des friandises, des bains, un lit, un siège pour Moon Dancer. Siège, avoine, friandise, hôtel. Regardez déjà tout ce qu'on a installé. Et là, je montre la super scène avec toutes les chaises et tout qui sont... Et avec une des planches qui fait... Ouais, c'est en train de se finir. Tout est bientôt prêt. Ah ouais? Installez-vous, on amène le gâteau. Il est au pot. Oh, il y a un gâteau. Oui, un gâteau géant. C'est génial. Montrez-nous où on peut s'installer et on arrivera avec Moon Dancer. Bah sur les chaises. Suivez-moi. Suivez-moi, je vais vous emmener voir Granny ouais, Smith. Je vais vous suivre. Parce que votre copine, elle a pas l'air... Ouais, c'est pas grave, il faut les laisser, ils sont contents. Ils sont super contents. Vous avez vu? Tout le monde est très gentil à Poneyville. Bienvenue. Merci. Comment tu t'appelles? Flynn. Flynn. Ah oui, c'est vrai. Et mon pote, c'est Flamme. Ah voilà, Flamme. Flynn et Flamme. Flynn et Flamme. Eh ouais, on est frères. On est frères. Flynn et Flamme. Et oui, Flamme. Flynn, Flamme, Flamme. Ok, je vous suis. J'y vais. Il te suit avec le char qui déambule dans les rues derrière toi. Où est-ce que tu les amènes? J'aurais dit que je les amenais voir Granny Smith. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est elle qui nous a demandé de préparer la fête, alors je me dis qu'elle les attendait. Granny Smith qui est actuellement sous le porche de sa maison en train de ronfler. Granny! Quoi? Granny, je te présente nos invités. Tu l'attendais tant, c'est Moon Dancer avec ses amis Flim et Flamme. Tu devrais te lancer dans la présentation de spectacle, ma petite. Ouais, j'y pense. Oui, parce que je pense que tu ferais un tabac. Ouais. C'était extrêmement bien fait. J'ai beaucoup aimé. Bravo. Merci, Granny. Super. Merci. J'applaudis les deux sabots. C'est génial. Bonjour. Et alors, il faut que je fasse quoi? Eh ben, où est-ce qu'on va la faire dormir, cette madame Moon Dancer? Ah, ben, elle dort dans la chambre des invités. Là-bas, ah bah, la maison. Bien. Là-bas. Voilà. Là-bas. La maison. C'est très des bien. Invités. On met des invités. Quand il y a des invités, ils dorment là-bas, c'est la maison des invités, ils dorment dans la maison des invités, eh ben... c'est la maison des invités. Il y a le lit des invités, les chaises des invités, la cuisine des invités. À quelle heure elle commence la fête, Granny? Dès que Moon Dancer est prête. Bon. Bien évidemment, c'est elle qui décide. C'est elle qui est. C'est la MC, comme disent les jeunes. Chère madame Moon Dancer, quand est-ce que vous êtes prête pour la fête? Moi, du coup, je suis en train quand de la regarder. Je me serais. Laver, débarbouiller, préparer. Quand je serai prête. Et que votre scène sera en état de m'accueillir. Et là, je la regarde en faisant. Et tu sais, en fait, du coup, t'as plein de paillettes qui font. Et là, t'as sa corne qui s'illumine. Et tout d'un coup, toutes les paillettes qui. Oh, ça, c'est s'envolent. Waouh! Waouh! Ça, c'est beau, ça. Et. Excusez-moi, Moon Dancer. Quitte Poneyville. Oh. Les paillettes? Les paillettes ou... Les paillettes. Ah, d'accord. Ah, les paillettes, pas lui. Non, pas lui. Ah, et lui, il est mort. Bon, bah voilà. Merci à tous. Allez, ciao. Ok, voilà, évidemment, complètement... Toi, t'es gaga. Ah, bah ouais, ouais, ouais. Fais-moi un jet de... Hyper fais-moi classe. Un jet de... Télékinésie, s'il te plaît. Allez. Quoi? Et quand elle fait ça, en fait, il y a un truc qui te... Il y a un truc qui me gratouille. Il y a un truc qui gratouille. Il y a un truc qui me gratouille la queue. Et qui me titille la corne. Alors non, ça te titille pas la corne, ça te gratouille pas. Non, c'est un truc qui te... T'as l'impression à un moment que... Tu sais, normalement, quand vous utilisez vos cornes, la lumière qui en émet est plutôt bleutée ou rosée. Ou, mm-hmm. C'est des couleurs assez douces et pastel. Là, t'as presque l'impression que c'est un peu verdâtre. Mais l'espace d'une milliseconde avant de redevenir bleuté, quelque chose d'un peu bizarre. Et effectivement, elle va rentrer dans la maison des invités. Et alors là, je peux me rapprocher un petit peu de la maison. Et puis du coup, j'essaie de mettre mon instinct à profit, voir si ça me chatouille, si ça me gratouille.
Alors là, ton instinct ne fonctionnera pas sur ça, puisque c'est si jamais quelque chose devait te tomber dessus, grosso modo, ce qui n'est pas le cas. Mais pas que, hein. Quelque chose qui se cache derrière une porte aussi. Oui, mais c'est dans l'optique où tu vas juste sentir qu'elle est derrière la porte. C'est ça. C'est dans l'optique où tu vas ouvrir une porte et il y a quelque chose de caché qui va. C'est toujours ça. C'est-à-dire que c'est quand il y a un danger qui est sur le point de t'arriver. D'accord. Ok. Bon. Moi, du coup, j'ai pas fait attention à ça. Pas du tout. Les autres, j'avais pas du tout fait attention. Je suis juste subjugué par ce truc-là, ce spectacle un peu de paillettes, et je retourne vers la scène. Pour essayer de remettre un petit peu la planche qui vient de tomber, et puis de remettre le projecteur qui vient de tomber, et puis de remettre le chapeau là, je suis en train de tomber. Je leur dis, venez, on va tous essayer de finir de préparer la scène, comme ça Moondancer viendra plus vite. Mais apparemment, il faut lui préparer de l'avoine, et puis de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut dans la maison. Par contre, attendez, je voudrais vous dire quelque chose. Quand il a utilisé sa corne, est-ce que vous avez vu la lumière verte? Bah en même temps, c'est une magicienne! Non, moi j'ai vu que les paillettes! Loon et Joy, elle a. Normalement, sa corne. Vous avez bien l'habitude de voir ma corne à moi quand je l'utilise! Mm-hmm. Bah ouais! Mm-hmm. Excusez-moi! C'est Flamme, le petit poney un peu rond qui était juste derrière vous. Le poney DJ. C'est ça. Ouais. Petit Flamme. Madame Moondancer, voudrait bien avoir des friandises, s'il vous plaît. Des friandises? Oui. Au plus vite. Au plus vite. Tu peux lui dire qu'on s'en charge. On va s'en occuper. On va lui amener. On va lui amener des friandises. Oui. On s'en charge. Sauf si tu veux aller les chercher à la poste. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle nous a dit des friandises. Et du sucré. Du sucré. Du sucre. Ok. Beaucoup de sucre. Ok. Des cupcakes. Ok. Des donuts. Des okay. pommes d'amour. Des pommes d'amour. Oh oui! Des pommes d'amour. Moi aussi, j'en veux bien d'ailleurs. Des marshmallows. Ok. On s'en charge. Eh ben, on s'en occupe. Ok. Merci. À tout à l'heure. Et. Je lui fais un grand sourire de licorne. Je sais pas comment ça sourit. Un vrai sourire ou un. Non, un sourire de licorne, oui. Happy Shakes, je pense que tu devrais changer de lunettes. Hein. Tout m'a l'air normal hein, avec ce Moondancer. Oh. Tu crois? Moi, j'ai vu la lumière verte. Bah, t'es assez à l'avoir vu, hein. Normalement, c'est bleu ou violet. Et ça fait quoi, le vert? C'est vrai que t'as un morceau de pomme sur ta lunette. Maintenant qu'elle le dit, peut-être que c'est ça. Ah, tu crois? Bon, ben... Moi, je mange le morceau de pomme. Oh, mais t'as encore salopé toutes mes lunettes. T'as dit quoi? Pardon? T'as bavé sur toutes les... Excusez-moi, j'ai pas entendu. Excusez-moi, c'est quoi ce mot? Enfin, vu ce que t'as fait tout à l'heure, je pense que t'es un peu fatiguée. Hein. De qui c'est qui parle? Attends, bah, c'est moi. C'est Mounet. Ah, pardon. Un peu fatiguée, pourquoi? Pour voir vraiment s'il se passe un truc. Bon, bah, peut-être que je me suis trompée. Bah, peut-être. Sûrement que vous avez raison. Bah, tu sais quoi? Moi, je vais lui apporter les friandises, puis on va bien voir. Voir quoi? Bah, ce qui se passe! Dans sa chambre. Elle va les manger, les friandises, j'en suis sûre. Mais non, mais on y va, puis on scrute comme ça un peu. C'est vrai que c'est très discret. Comment tu scrutes? Waouh. Tu scrutes super bien. Est-ce que tu veux scruter avec moi? Il faut que j'aille monter la scène. Ah oui. Bah, apporte les friandises, c'est une bonne idée, Loon et Joy. Ok, j'y vais. Nous bon, quatre. Bah attends, je viens avec toi. Ah, alors je suis contente que tu veuilles venir avec moi. Moi, j'utilise ma corne pour... J'utilise ma corne pour les aider à remettre la scène bien beau comme ça. Et nous on s'active du coup à... Bah faites-moi, alors tous les deux faites-moi un jet de corps, du coup, ou pas un jet de télékinésie. J'aimerais bien faire un bon jet, on va dire. On y va maintenant ? Hein ? On y va maintenant ? C'est le bon jet maintenant ? Oh, vas-y, là. C'est pas possible. Mais vous êtes raccord, ça. On va faire des deux. Vous êtes vraiment en duo, deux, là. Complètement. Deux. Oui, bah voilà. Je ressors du scotch, du coup, je mets une couche c'est ça. Par-dessus. Moi, j'ai dit que je m'en occupais, mais je suis à nouveau en train de faire. Ouais. Moi, j'en dis pop. Ouais. En fait, toi, tu rattrapes tous leurs trucs, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire... Tu vois, lui, il est en train de faire... Il se regarde comme ça en clouant le truc. Toi, tu vas le récupérer avec la télékinésie, le marteau, et finir de clouer correctement. Tu vois, en fait, il a planté un tout petit peu tous les clous. Et effectivement, grâce à toi, la scène prend enfin une allure correcte. Et nous, on n'a pas vu ça, du coup. Waouh, on a bien bossé. Hein. Tu vois un peu comment on travaille.
Beau travail d'équipe. Ça, c'est les poneys terrestres. C'est qu'on est une équipe de bons. On les terrestres, ils savent rien faire. Alors que normalement, c'est les plus doués quand même. Ouais, ouais, mais bon, écoute, on peut pas, peut pas être sublime. Et en même temps, excuse-moi. Joli smile, mais quand tu regardes la scène, tu te dis pas. Question, tu peux pas être sublime et faire rien et savoir faire des trucs. Pourquoi est-ce que tu me jettes un D6 encore alors que tu as un D8? Non, j'ai jeté un D8 pour le corps. Bah là, non, t'as jeté un D6. Non, c'est celui de Trinity. C'est moi. Ah, c'est parce que je ne vois pas que c'est un des... Ah, ouais, ouais. C'est ça, en fait, c'est les dés illisibles. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour pas que le MJ voit. Exactement. Je dis ce que je veux, mais je suis pas très fouté, du coup. Apparemment... Ah, bah, j'ai fait un. Ah, bah, dis donc. Ah, bah, j'ai fait deux. J'ai menti. Ah, ça, c'est le papy poney. Pas. Ouais, ok. Donc... Pendant ce temps... Lounet et Faerie qui vous allez chercher des pâtisseries, du coup. Ouais. Voilà, la pâtisserie. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui prend? Alors, tiens, on va prendre des pommes d'amour, et puis on va prendre des cupcakes, et puis on va prendre des cookies, et puis on va prendre des meringues, et puis on va prendre des chamallows. Attends, j'ai plus de place, là. Ça suffit, non? Ouais, d'accord. Allez, viens, vite. Ça suffit. Ok, et ben on prend, et puis on... Attends, je prends juste une meringue, comme ça, au cas où. Et moi, je prends une pomme d'amour. Et on retourne à la maison des invités. Ouais. Pour toquer. Attends! Quoi? T'as déjà toqué ou pas? Non. C'était une fois. J'ai feinté avec mon petit sabot. J'ai toqué dans l'air. J'ai fait... Comme ça? Je sais pas, j'ai toqué ou pas, MJ? C'est, bah là, oui, c'est pas moi qui le geste, tu as toqué. Ah, mais t'as toqué, alors moi je m'éclipse et je vais observer dans une fenêtre à côté, voir ce qui se passe. Salut, Cybèle. Fais-moi un jet de corps, s'il te plaît. De corps. À moins que tu aies autre chose de plus approprié. Esprit ou charme? Non, esprit ou charme, non. Gros yeux. Gros yeux ou vol? Non. Ou manque de tact. 5. Bravo! Ah, mais tu es on fire aujourd'hui! Yeah! Papa, tiens, ce livre est très... Effectivement, tu t'éclipses juste à temps, tu entends les pas certainement de flammes qui approchent de la porte. Et tu arrives à te placer au niveau d'une fenêtre. Donc Alors, tu ne vois pas Moondancer, tu vois juste Flim et Flamme qui sont là. Apparemment, mon sœur doit être dans la chambre qui est derrière. Et au moment où la porte de la chambre va s'ouvrir avec Moondancer, tu aperçois effectivement une espèce de lueur un peu verte qui... Mais qui s'estompe très vite et elle sort. Et la flamme ouvre. Ah ! Vous êtes venu avec les pâtisseries ! Oui, alors on a pris des meringues, des pommes d'amour, du cupcake et voilà. Des cookies. C'est très gentil à vous. Voilà. Merci et beaucoup. Et on peut voir Madame Moondancer? Et tu l'aperçois derrière, qui sort par la porte, qui te regarde. Voilà Madame Moondancer, c'est pour vous. Merci. On peut discuter un peu? Laissez ça là. Je sortirai tout à l'heure pour la fête. J'aurais bien aimé... D'accord. Vous voulez discuter? Oui, non, mais pour vous rencontrer un petit peu. Oh, c'est charmant. Entrez. Donc je rentre, avec mes cookies et tout ça. Moi, je regarde toujours ça, je vois toujours ça. Elle ouvre la porte de la chambre, qui sert aussi de salon un petit peu. Où est-ce que je pose ça? Sur la table du salon. Ah. Voilà. Pour... On peut peut-être prendre le goûter. Et elle referme la porte derrière elle. Bien sûr. Vous voulez du thé? Oui, volontiers. J'ai très soif. Ah, très bien. Il y a ma copine dehors. Est-ce qu'elle peut rentrer? Bien évidemment. Flim, Flamme. Faites rentrer, mademoiselle. Mademoiselle. Firefly. Moi, dès que j'ai entendu ça, je me suis envolée, je suis partie, quoi. Il n'y a personne. Excusez-moi, mademoiselle, il n'y a personne. Bah, je sais pas où elle est. Elle était juste là, on a apporté les friandises ensemble.
Elle avait peut-être une envie pressante, je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, c'est bizarre. Y a des choses qui arrivent. Vous voulez que j'aille la chercher? Non. Restez, nous allons discuter. Tous les deux, elle te sert une tasse de thé. Merci beaucoup. Alors, je bois un peu. Est-ce que par hasard, Madame Fais-moi Mounden... Fais-moi un jet de corps, s'il te plaît. J'ai pas le temps d'en placer une, écoute. Ah, meuf, c'est les corps chauds. Je résiste à tenter. Et donc, tu commences à parler. Oui. Vas-y. J'aurais aimé savoir si c'était possible de connaître quelques tours de magie avant ce soir. Il n'y a que les licornes qui font de la magie. Oui. Tu es un Pégase. Ah oui? Peut-être que si un jour tu gagnes tes ailes d'alicorne, alors là, nous en reparlerons. Ah! Oh, mais c'était pas du tout pour vous offenser, hein? C'est oh, je ne suis pas offensée, puis elle s'assied. Ne t'en fais pas. Et tout à coup, t'as l'impression d'avoir la vision qui se brouille et noir. Ah, oh non, quoi? Bon, voilà. Pendant ce temps, toi, tu t'es enfui. Fais-moi un jet de corps, s'il te plaît. De vol, s'il te plaît. De vol. Vol. Ouais. Vol. Je veux savoir si... 4. Yeah. Tranquille. C'est pas mal, 4. C'est pas mal. Moi, je me suis envolée pour aller les retrouver. Ouais. Je vais les retrouver à la salle, à côté de la scène. Et moi, je suis là. Ta-da. Waouh. Donc, je les retrouve. Je peux ouais, les... tu les retrouves. Happy Shakes! Happy Shakes! Écoute, on est allé avec Loon et Joy, on est allé donner les friandises à Moon Dancer et pareil, j'ai vu la lumière verte dont tu parlais. Ah ah! Alors peut-être que tes lunettes. T'as pas de pomme dans les yeux! Ben. Non, je crois pas! Je me lève, c'est bon, y'a rien! C'est bon, y'a rien! Ben non! Et elle a fait rentrer. Elle a fait rentrer Loon et Joy chez elle, elle a refermé la porte. Alors je suis venue vous avertir parce que peut-être que ça sent pas bon cette lumière verte. Bah en tout cas, c'est pas habituel. C'est pas habituel? Bah non. Comme je t'ai dit, les licornes, c'est pas du tout la lumière verte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir être? Qu'est-ce que ça peut être? On sait? Est-ce qu'on peut... Est-ce que... Pardon. Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce qu'elle a déjà vécu ouais. peut-être un truc comme ça? Est-ce que ça lui dit quelque chose de la lumière dans son verte? Son enfance, quelque chose. Ouais, je sais pas. Dans la bibliothèque, elle a vu plein de livres là. Est-ce qu'elle n'est pas tombée sur un. Fais-moi un jeu d'esprit. Un jeu d'esprit. N'oubliez pas que vous avez des petits symboles d'amitié hein, quand même. Si esprit, es-tu là? Ah oui, c'est 4! Oh non, ça te dit quelque chose, mais il faudrait que tu fasses des recherches. Ah. Et si j'utilise un petit machin comme ça, ça peut me faire savoir plus vite? Alors, tu peux utiliser soit un symbole pour relancer, mais là, t'as fait le maximum. Ah, j'ai fait le max, ouais, oui. Soit deux symboles pour relancer, mais lancer un D20 cette fois-ci. Ah oui, donc ça veut dire que là, voilà. Si je fais un bon gros score, je peux avoir la Peut-être. Réponse tout de suite. Peut-être. Si je fais 4, c'est mort, quoi. Ouais. Et 3 symboles, pas besoin de lancer de dés. C'est ça. Mais j'en ai que 2. Oui, mais vous pouvez vous les passer. On peut t'en donner. J'ai confiance en toi. Tiens, je te donne un petit jet d'amitié. C'est tellement beau ce que tu dis, donc tu crois que j'utilise les 3? Ouais, je pense qu'on a besoin de savoir. Vous en pensez quoi? Elle a raison. Vous êtes tous d'accord? On fait ça aussi pour Loon et Joy. Dépêche-toi. Bon bah voilà, je les utilise les 3. Et je vais savoir, je me concentre très fort et je me fais briller la corne. C'est très bien. C'est très bien. Je sais mais là, franchement, je sais pas ce qu'elle a bu, mais... Je vais savoir. Effectivement, ça te rappelle quelque chose. Ça te rappelle un événement en fait qui a eu lieu il y a quelques années maintenant à Cantelotte, quand tu faisais encore ton apprentissage. C'était lors du mariage. Je sais pas comment il s'appelle, le frère de Twilight. Ah. Bah ouais, je raccorde un peu à la série, sinon c'est pas drôle. Très bien. Tac, le prince lors du mariage du prince.
Les noces pourpres. Mais c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. De tout mélanger dans Tales of Equestria, tu vois. C'est ça. The Shining Armor, le frère de Twilight. Shining Armor. Shining Armor. Qui avait réussi à repousser de justesse une invasion de changelins. Changelins ? Ouais, de changelins. C'est des petites créatures noirâtres qui maîtrisent, en tout cas leur reine maîtrise, la reine Chrysalis maîtrise la magie. Et qui sont capables de prendre la forme d'autres créatures ou d'autres poneys, et qui apparemment se nourrissent de l'amour qu'on leur porte. C'est pour ça qu'ils prennent la forme de poneys, pour qu'on leur donne de l'amour et ils tirent leur puissance de cet amour-là. Donc là, j'ai les paupières qui font comme ça, en même temps que ma lumière s'allume sur ma corne, et je leur dis « Changelin ! C'est un changelin ! » Vous vous rappelez de cette histoire, il y a longtemps, lors du mariage du frère de Twilight? Oui. Eh ben voilà, je suis sûre que c'est ça. Moon Dancer, c'est un changelin. Oh, mais ça veut dire qu'à la fête, si tout le monde lui porte une admiration et un amour pas possible, genre elle va... Et justement, les poneys commencent à se rassembler autour de la scène. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, tant qu'elle n'est pas encore là, les gens ils peuvent pas l'aduler. Enfin, pas tout de suite. Enfin, je sais pas. Ok, je vais occuper les gens. D'accord. Mais Luna Joy, elle est toujours avec elle. Je l'ai laissée. Et alors. Il faut occuper tous les poneys qui arrivent vers la scène. Et nous, il faut qu'on aille récupérer Luna Joy. Oh là là. Attends, petite question, c'est-à-dire qu'elle se nourrit, voilà, de l'amour qu'elle lui porte, mais ça peut la... Non. La nantir. Ah non. Mais plus elle en engrange, plus elle est puissante. Mais puissant pour faire quoi? Oui. De la magie. C'est-à-dire que plus sa magie est puissante, et justement... Mais de la mauvaise. Justement, à Canterlot, par exemple, ça lui avait permis de briser le bouclier qui protège Canterlot, et du coup, les changelins avaient commencé à envahir Canterlot, jusqu'à ce que Shining Armor ait sa promise, donc j'ai oublié le nom, grâce au pouvoir de leur propre amour, avait réussi à repousser tout ça et recréer un bouclier. Mais alors, ça, du coup, on le sait, elle nous l'a raconté. Oui, ça, okay, ça on le savait. Okay. Elle vous a utilisé 3 symboles, vous le savez. Ok, on sait tout. D'accord. J'ai tout dit. Il faut d'abord récupérer le nez. Il faut qu'on occupe les gens qui sont ici pour pas qu'elle puisse prendre la scène pour l'instant. Oh, est-ce que... Jolly Smile, t'es comédien? Ouais. Bah peut-être que tu pourrais faire un numéro... C'est sûr. Il demande pas trop, hein. Il demande pas trop, il va être super content de le faire. En même temps, il fait ça très bien, alors... Tu pourrais faire une diversion comme ça, les gens ils se préoccupent sur toi plutôt que de se préoccuper de Moon Dancer. Oui. Je sais pas, tu crois? Fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît. Allez, sois bon. Ah, c'est cassé, hein, c'est cassé, hein. Ça allait faire cassé. Quoi? Ah, c'est cassé encore. C'est cassé. Oui, il est cassé. Je l'ai pas. Oh, c'est beau, c'est tellement beau. Mais non. C'est tellement incroyable. C'est le spectacle de sa vie, là. Non, c'est tellement pas, c'est pour autre chose. Mais continuez. Bon alors, quel est le plan? Ok, tu fais distraction. Diversion. Diversion. Ouais, tu distrais en faisant la distraction. On laisse tout seul et je viens avec vous. Mais en fait, nous, on va faire quoi? Il faut qu'on aille récupérer Luna Joy. Oui, mais en même temps, elle craint rien. Je sais pas, mais en tout cas, elle est pas de confiance, cette Moon Dancer. T'as raison. Luna Joy est toute seule avec un changelin. Luna Joy. T'as raison. Et moi, je mangerais bien un cookie. Allez. Est-ce que tu veux faire le numéro avec Jolly Smile, ou est-ce que tu veux venir avec nous? Non, Sparkle Joy, c'est aussi un cœur vaillant, vous avez besoin d'elle. Sparkle Joy, viens avec nous. Je viens avec vous, ouais. Ok, donc on y va toutes les 3. Et donc on y va, et pendant qu'on y va, moi je me retourne pour voir qu'est-ce qu'il va faire, Jolly Smile. Ouais, mais c'est ça, j'étais là, oh, je veux bien rester. On part tout doucement. Je peux rester dans la foule, hein. Non, allez-y tranquille. J'ai une idée. Juste avant, allons faire un tour à la pâtisserie. Pourquoi faire? J'ai une idée. Parce que moi, je me suis dit, on peut aller chercher aussi Moon Dancer
Et l'emmener là où il y a l'enfermé dans la grange de Big Mac. Là où il y a les pommes. La grange de Big Mac, il y a une grosse ouverture en forme de Looney Joy dans le mur. Alors je crois pas que ça servira à grand chose. Ok. Par contre, les deux neuneux Flim et Flamme, oui. Ils adorent les pâtisseries. Alors si on va en chercher plein, on pourrait les attirer en dehors de la maison. Genre on fait un petit parcours. Non, est-ce que tu crois pas qu'on peut juste leur demander et leur dire de nous suivre parce qu'on va les emmener à un endroit exceptionnel avant d'aller sur scène? Moi je dis qu'ils préféreront les pâtisseries. Mais on peut leur dire on va les emmener dans un endroit où il y aura plein de pâtisseries et puis ce sera vrai, si tu veux, on mène des pâtisseries. Mais en fait, pourquoi? C'est juste qu'on veut récupérer. Tu m'ennuies, tu m'ennuies, Happy Shakes. Et je vole et je vais à la pâtisserie. Et je prends plein de pâtisseries. Bon, bah moi, je vais directement voir Moon Dancer. Ouais, moi, je vais avec Happy Shakes, moi. Et je frappe à la porte en disant... Looney Joy, tu es attendu pour la fin des préparatifs. Je dormais. Non, ouais. Oui, bah... Tu dormais. Ah oui, oui. Effectivement, tu es toute seule. Oui. Moon Dancer et ses deux acolytes ne sont plus là. Les gars, vous pouvez rentrer. Bon, alors moi, j'ouvre. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je mange. Ok, mais... et ils sont où, les invités? Bah, je sais pas. Ils ont dû partir déjà vers la scène. Ok, bon, il faut que tu saches quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui raconte dans l'oreille discrètement. Quoi? Mais c'est pas possible, ouais. Cette histoire. Bah si. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bah déjà, on est venu te sauver. C'est gentil. Après, on sait pas. Bah... T'as pas une idée d'où ils ont pu partir? Ah non, je sais pas. Et ils t'ont rien dit en partant? Non. Fais-moi un test d'esprit, s'il te plaît. Moi? Ouais. Non, attends, esprit. 6. Boum. Bouya. Non, mais elle fait que des jets de ouf. Ouais, hein. Ouais. Ça te réussit bien, mon ouais. Petit poney. Prochain tournage de. Non, ce serait bien. Tu. Garde cette vibe. Tu crois les avoir entendus dire qu'ils allaient du côté des pommiers. Attends, ça me revient. Je crois qu'ils sont partis du côté des pommiers. C'est ça qu'ils m'ont dit. Nous, en fait, nous, on a pris un petit goûter. Et puis, moi, j'ai... Voilà, c'était chouette. Alors, j'ai dit, pas vu le temps passer, tu vois. Tu t'es dit, tiens, je vais faire une petite... Ah, t'es pas là. Tu t'es dit, tiens, je vais faire une petite sieste. Bon, moi, j'étais tranquille pépouce avant que le spectacle commence. Mais en fait, ils ont tellement aimé le gâteau aux pommes qu'ils n'ont pas encore goûté que voilà, ils sont partis chercher des pommes. Mm-hmm. Ça, au cas où, on peut en refaire un autre de gâteau. Bon, alors leur but, on le sait, c'est de se nourrir de l'amour qu'on peut leur donner. Ah oui. Donc, ça veut dire... Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut empêcher Moon Dancer d'aller sur scène, sinon elle va se nourrir de tout ça, là, vu que tous les gens vont l'acclamer. Mais pourquoi elle est allée dans les pommes? Bah, je sais pas. Mais bon, allons voir. Pour refaire un gâteau. Ça me paraît bizarre. Et toi, t'arrives à ce moment-là. Avec des pâtisseries plein les bras. C'est bon, j'ai de quoi faire. Ah bah t'es là. Salut Lunette, ça s'est bien passé? Bah ouais, super, on a pris un goûter, c'était top. Ah ouais. Et là, en fait, Moon Dancer, elle est partie vers les pommiers. Oh. Alors du coup, je pense que peut-être il faudrait qu'on aille vers les pommiers. Ouais. Bah ouais, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Peut-être qu'on a un cookie avant. Peut-être qu'on devrait se séparer. Vous deux, vous allez vers les pommiers et peut-être toi aussi, tu vas vers les pommiers. Ouais, je vais y aller avec elle. Ouais. Et toi, tu vas où? Et moi, je rejoins Jolly Smile. Pour quoi faire? Bah, pour voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de... Bon instant. Voilà. Toi, tu arrives vers la scène. J'arrive vers la scène. Et là, tout à coup, sur le côté, tu ne peux pas t'empêcher d'apercevoir un gros coffre duquel semble dépasser des vêtements. Exactement. Et là, tu sais, ça se reflète dans les yeux comme ça. Quand je me rapproche du coffre.
Et alors là, il est rempli, mais rempli. Mais tu as des dizaines de tenues, des tenues de scène. Oh, ça va être classe. Et là, en fait, je commence à les prendre. J'enfile comme ça, je regarde, tac, tac. Non, elle te va pas. Pretty woman. Non, elle te va pas. Pretty woman. C'est ça. Tac, et j'enfile, je regarde, troisième tenue, paillettes, tout ça sur moi. J'aime bien. Je continue ? Ouais, tu continues. Pour l'instant, nos amis, eux, vont vous diriger vers les pommiers ou pas, ouais, du coup ? Oui. Vous dirigez vers les pommiers, ok. Et toi, tu... Bah, je retourne vers... Tu retournes voir Jolly Smile. Ok. Et tu vois, effectivement, t'arrives... Toi, alors vous allez vers les pommiers. Toi, t'arrives pendant que Jolly Smile est en train de se changer. Encore, et encore, et encore. Ça va, Jolly Smile ? Ouais, mais... Je trouve pas la tenue qu'il me faut. Il faut que je sois hyper classe. Ah, moi j'ai une idée, t'as qu'à tout mettre. Mets tout. Toutes les tenues. Tu crois? Ouais, ce sera trop bien, comme ça t'as pas à choisir. Ça, c'est une super idée. Et oui. Ça, c'est une super idée. Vas-y, mets tout. Là, du coup, je commence à prendre les trucs. Je mets sur moi paillettes, et bleu, jaune. D'un chamallow. Et effectivement, à la fin, tu as tout mis sur toi. T'as un peu de mal à bouger les pattes. Du coup, t'es obligé de marcher en sans les... Et là, je sens mon petit miroir, tiens. Mais qu'est-ce que c'est classe ? Je suis hyper classe ! T'es trop canon ! Wow. C'est méga canon. Ça va te déchirer, Lune. Tu sais quoi, Jolly Smile ? On devrait faire un numéro tous les deux. On monte sur la scène et on prend le plateau comme ça. J'adore tes idées. Je remets le petit miroir et toc, on se dirige vers la scène. Et pendant ce temps, nos trois amis arrivent au niveau du verger et des pommiers. La nuit commence à tomber. Et alors, qu'est-ce qu'on les aperçoit ou pas ? Eh ben, faites-moi un jet d'esprit, s'il vous plaît. Un jet d'esprit. Tous ? Ouais. Bah ouais. Come on ! Non mais... Quatre ! Deux. Ah, deux, là. Yeah, yeah. Non, toi, t'es constante, toi. Mais depuis le début. Ultra constante. Ah, mais j'ai fait que des deux. Vraiment, là... T'es sûr que ton dé n'a pas que des deux sur les faces ? Ben, je vous demande, hein, mais... Ouais, deux. Deux. Ok. Cœur vaillant, hein. Ouais, c'est ça, mais non. Non, toutes les deux, alors vous êtes... vous regardez, je sais. Vous regardez, vous voyez pas grand-chose. Il commence à faire nuit, les ombres commencent à s'étirer comme ça devant vous. Les bruits de la nature commencent à reprendre, prendre de l'ampleur, enfin vous... c'est pas très très rassurant tout ça. Mais toi, tu vois une petite lumière. Elle éclaire pas un peu avec ses flammes quand même ? Ouais, à peine. Moi, je peux faire la lumière avec ma corne. Toi, tu peux faire la lumière avec ta corne. Wow. C'est l'équivalent d'une lanterne. L'équivalent d'une lanterne, quand même. Mais ça, c'est utile. C'est pas oui, mais c'est pour ça, oui. Est-ce que je peux ? Oui, tu peux, bien sûr. Ça vous dit que j'allume parce que je vois rien ? Ouais, mais on peut être repéré aussi. Bah, c'est pour ça que je te demande. Ça te dit que j'allume ? Alors, attends, moi, je vois rien, du coup, ou pas ? Donc, si, toi, tu vois quand même quelque chose. Okay. Et tu vois une petite lumière verdâtre dans la grange de Big Mac. Tu vois ? C'était vraiment... C'est furtif, mais... On est à quelle distance, là ? Vous êtes à quelques centaines de mètres. OK. Attendez ! J'ai vu une lumière verdâtre dans la grange de Big Mac. J'en étais sûr. Il faudrait qu'on s'approche discrètement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Pas de lanterne. Pas de lanterne. Mais garde tes lunettes. Ah bah oui, ça, c'est sûr. On s'approche doucement. Doucement, oui. Discrètement. Tout avec grâce. Attendez, je mets mes patins sous mes sabots. Le mot est lancé, oui. Faites-moi un test de corps, s'il vous plaît. J'ai de discrétion. Regarde-moi bien. Regarde comme elle est discrète. Regarde ma démarche. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi discret. Écoutez, je regarde tes mains. C'est moi qui marche. Pas un bruit. S'il te plaît, fais 6. Oh si. Bah, bah, 4, bah, comme ça. Je marche même un peu plus vite. Fumble. Et toutes les deux, vous marchez un peu discrètement sur la pointe des sabots. Tout, 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 tout,
Tu te prends un arbre. Les pommes tombent alors que vous arriviez à côté de la grange et vous entendez juste « Oui, y a quelqu'un ?» Et là, moi, je balance les friandises à l'opposé de là où on est. En direction de Flim et Flamme, mais plus loin de là où on est. Quoi. Fais-moi un test de corps, s'il te plaît. Allez. 3. Oui. Ça va. Est-ce que... C'est vrai quand t'annonces ton score, toujours. Tu fais 3. Tiens, tu dis, ah, vas-y, allez. C'est comme ça qu'on arrive à me corrompre. Oui, c'est pour ça que tu fais 3. Avec les paillettes. Voilà. Hop. Tu balances les friandises au moment où Flim et Flamme sortent de la grange. Tu les vois juste, ils font. Les deux. Et qui se précipitent sur les friandises pour commencer à les manger. Malin. Malin le lynx. Vite, vite, on contourne de l'autre côté. Donc on part à l'opposé d'eux et puis. Vous contournez sans aucun problème parce qu'ils sont du coup occupés. Et est-ce qu'on peut avoir accès à, je sais pas, à une fissure dans le bois discrètement pour regarder le trou de l'ONI peut-être? Ouais. Il y a des bouchons, on regarde par le trou. Par l'ouverture doucement. Et vous voyez à l'intérieur de la grange l'ONI qui est attaché et qui est en train de dormir. Attends, mais l'ONI. Flout, c'était l'autre. Pendant ce temps. C'est Moon Dancer. Elle. Et donc tous les deux vous approchez de la scène. Ouais. Difficilement tu. C'est pas moi qui l'ai décidé. Tu montes sur scène. La traîtrise. Et ouais. Et effectivement, vous arrivez sur scène. Que faites-vous? Et ben moi je commence à m'avancer et puis je leur dis « Salut tout le monde !» Moon Dancer va arriver, mais d'abord, on va chanter un peu tous ensemble, d'accord ? Le mec a zéro prestance. Le bonnet, il est coiffé. Le Dancer, tu veux pas m'aider un petit peu? J'arrive pas trop à bouger sur la scène. Mais comment tu veux que je t'aide? Je sais pas, enlève-moi une ou deux couches parce que j'arrive pas à m'enlever. Donc elle est sur la scène. Ouais. Et j'enlève un ou deux trucs, je déchire d'habits. Ça va mieux comme ça? Ouais, merci. Allez, je te propose, on chante et on fait une démonstration de éventuellement, on essaie, je sais pas, de magie ou de, tu vois? Je suis pas magicien. Et là, en fait, tout le monde me regarde, tu sais, comme ça. Et tout le monde vous regarde en faisant... Je suis pas magicien. Bah chante et moi je fais de la magie à côté. Allez, chante. Vas-y, chante. Je sais pas quoi chanter. Chante une Ah, vous dirai-je maman. Tout simple, vas-y, lance-toi. Je connais pas. Fais-moi un test de charme, s'il te plaît. Un quoi? Un test de charme. Tu peux utiliser comédien, si ouais, tu veux. Ouais, c'est ça, je ne sais plus comment... Oui, tu rajoutes, tu lances un deuxième D6 et tu le rajouteras. Donc je lance 2 D6 maintenant. Ouais. Je trouvais ça trop bizarre, tu veuilles absolument aller avec Jolie Smith. 6 et 4. Ah! Effectivement, il se met à chanter. Il arrive Je me rapproche de la scène comme ça, tu sais, j'allais prendre les jeunes palettes. Comme ça. Je commence à tourner sur moi-même. Et pendant que tu chantes, tout à coup, tu commences à entendre des guitares derrière qui se mettent en route. Belle guitare, des guitares électriques. Effectivement, t'as des flammes qui jaillissent comme ça à côté. Des étincelles. Et effectivement, pendant que tu es en train de chanter, tu ne t'en aperçois pas tout de suite, mais l'ONI change de forme. Et derrière toi, tu vois juste une lueur verte comme ça qui commence à se répandre. Elle se transforme en une espèce d'immense, assez étrange, on dirait un poney longiligne, noir, avec des jambes un peu trouées, avec des cheveux verts qui retombent, presque une licorne, mais sa corne est très longue, très grande, noire, complètement tordue.
Ouais, elle part un peu dans tous les sens. Et moi, je continue. Hein. Et effectivement, et tout à coup, c'est un orchestre qui joue derrière toi, et tous les poneys autour de toi sont comme ça. Et moi, du coup, je pense que c'est pour moi. Bah ouais. Mais j'en rajoute, j'ai la... Pendant ce temps, vous êtes... Vous êtes en train de... Vous êtes en train de vous occuper de... Vous voyez Louis dans la grange. Et vous entendez au loin cette musique un peu rock comme ça qui retentit. Et vous entendez la voix sublime de Jolly Smile qui chante... C'est vraiment sublime? Ouais. Ah ouais? Non, mais oui. Je sais qu'on dirait pas, mais c'est vraiment sublime. Imagine le générique d'Alerte à Malibu, tu vois, un truc... Moi, je vois Looney, puis je fais... Oh, je comprends tout de suite. Je me tourne, j'entends la musique. Je regarde mes compagnons. Oui. Et Looney? Mais qu'est-ce que... Je remonte mes lunettes. On essaye de la réveiller, peut-être. Vous êtes dehors pour l'instant. Vous êtes dehors, vous l'avez vue entre les planches. Oui. Occupez-vous d'elle. Je retourne tout de suite. Tout de suite à la fête. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu la fête? Tu vois bien que c'est Looney. Oui, et ben alors la Looney qu'on a vue tout à l'heure, c'était Moon Dancer. Quoi? C'est le change-forme. Non, c'est pas change-forme. C'est le change-lin. Ouais. Ok. On vous a bien eu. Et là, moi, je fonce dans le tas. Et tu vois Flim et Flamme qui vous regardent avec des grands sourires. Avec des morceaux de cookies. Avec des morceaux de cookies qui pendent. C'était très bon, mais on vous a bien eu quand même. Moi, je pars en courant en direction du tout galop rompu. Je sais pas si c'est... Eh ben, fais-moi un jet de corps parce qu'ils vont essayer de t'intercepter. Tout faisait un bâton rompu. Oui, c'est vrai. Un galop rompu. Deux. Et effectivement, tu te mets à foncer comme ça et tu vois juste Flamme qui te regarde et qui tend le sabot. Oh non. Et tu te retrouves à tomber à rouler boulet. Tu vas perdre 3 points de robustesse. Oh non. On voit plus rien. Et ben, effectivement, t'as perdu tes lunettes. Mes lunettes. Bah moi, j'ai le droit quand même d'attaquer ou pas? Enfin non, mais genre tu peux te bagarrer. On peut mettre un petit coup de sabot. Oui, bah, bien sûr. Moi je mets ma tête en avant et je leur fonce dessus comme ça, boum. Eh ben fais-moi un jet de corps s'il te plaît. Allez. Yeah. Pas de corne toi. 3. 3, tu regardes, je vais vérifier juste. 3, mais tu sur lequel? Sur Flim ou sur Flamme? Sur Flamme. Flim. Flim qui te... C'est Flamme qui te regarde. Et qui t'évite. Et tu passes à côté. Boule de feu. Et moi j'ai... lunettes. Ah, je sais pas dans quel sens attaquer. Est-ce que je me cabrerai comme ça et je lui mets... Papa, j'essaie de lui mettre des coups de sabot. Ou un beau coup de sabot avec... Ou à l'arrière comme ça. Tranquille. Je recule. Bip. Bip. Et là, j'essaie de lui mettre un coup. Voilà. Ok, je fais un G. Ouais, et tu peux utiliser Cœur Vaillant si tu veux. Oh, attends. Oui, c'est Cœur Vaillant. Ouais. Rien d'impossible. Tu peux demander au MJ si tu peux ajouter un D6 supplémentaire à une épreuve basée sur le corps. Bah oui. Ah, donc je peux avoir 2 D6? Exactement. Ah, je défonce. En fait, je fais un doublé, comme ça. Pah! Les deux, on a... en même temps. Vas-y. Je me mets sur les pattes avant et j'essaie de lui mettre 2 coups en même temps. Allez, là. Vas-y. Oh, putain. 6. Ouais. Ah, mais non, c'est bon, ça compte qu'un... Oui, ça fait pas un critique. Oui, c'est les deux. Ah, c'est bon. 6. Ça va bien. 6 en tout. Ouais. Oui. Ok. Tu recules. En fait, c'est juste, il comprend pas bien ce que tu fais quand tu recules en donnant un peu de la croûte. Sur la musique, en même temps. C'est ça. Sur la musique. Et du coup, il te regarde. Et là, bam, tu lui donnes tes 2 coups de sabot. Il part. C'était génial. C'est bon. Et il va se perdre dans un des arbres. Il ne reste plus que Flamme. Flamme qui se met à courir, à galoper. Et en fait, il se transforme. Et il se transforme en espèce de petite créature. Alors c'est assez bizarre. On dirait une espèce d'insecte, genre d'abeille. Ah. Avec des petites ailes, des yeux verts. Et il vole vers la scène. Que faites-vous?
Le changelin. Eh ben, mes lunettes. Moi, je vais vite. J'ai perdu mes lunettes. Je galope et voilà. je dis à Sparkly Joy. Sparkly, occupe-toi de Looney et de Happy Shex. J'essaie d'avertir les autres. Mes lunettes. J'ai besoin d'aide. Bah, moi, je rends ses lunettes à Sparkly. Tiens. Ah merci, moi je m'appelle pas Sparkly, moi je m'appelle... Ah merde, c'est moi. Happy. C'est Happy. Happy Phoenix. Bah je me retrouve dans lunettes. La personnalité, ah, d'accord. Je me regarde. Je rends mes lunettes à moi-même. Et, ah bah dis donc, je vois plus rien. C'est bizarre. Oh merci, Sparkly. Mais c'est pas à moi. Merci Sparkly. Il faut qu'on aille réveiller Looney. Moi faut je vais aller voir Looney. Va t'occuper d'elle. Moi je tourne à la bataille. À la bataille. Je vais à la guerre. Et effectivement, ça sera pas dur de la réveiller. Toi, tu te réveilles au milieu de la grange. T'as un petit peu mal à la tête. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop mal à la tête. Sparkly Joy, c'est toi? Oui, c'est moi. Il faut qu'on retourne vite à la fête. Il y a Moon Dancer qui a pris ton apparence. Quoi? Moon Dancer, c'est un changelin. Mais on était en train de prendre un thé trop bon. Oui, mais je... là, tu n'es plus dans... Tu vois bien que tu n'es plus au même endroit. Oh, regarde, il y a mon trou là-bas que j'avais fait. C'est très bien, mais il s'est passé un truc. Elle a pris ton apparence. Là, elle va essayer de prendre tout l'amour de tous les poneys de Poneyland. C'est Poney City. Poneyville, j'en sais rien. Poneyville. Je sais plus. Parce que moi, où j'habite, j'ai problème. Non, il y a hors de question qu'elle prenne tout notre amour. Alors, viens, on y va. Il faut aller les aider. Oui. Elle est oui. Ok, faites-moi toutes un jet de... Alors, soit de corps, soit de vol pour alors, les poneys qui volent. Oh, deux. Alors, allez, je prends le rose. Allez, vas-y. Je tente un truc. Yeah. Ouais, ça va, on est bien. Trois. Comme ça se la pète. Oh, joli. T'augmentes. Ouais, t'as vu. Le sourire a marché. 2, 3, 4 et 6. Ok. Toi, tu réussis à rattraper le... Ah ouais, l'insecte. Le changelin. Qui est en train de foncer vers la scène. D'ailleurs, tu vois la scène. Il y a des effets pyrotechniques, il y a de la lumière. Et tous les poneys de Poneyville sont comme ça. Et moi, j'ai les yeux fermés. Que fais-tu? Alors, je l'ai rattrapé. Tu l'as rattrapé, vous êtes en vue de la scène, toi tu le vois de haut, et tu arrives juste à son niveau. Bah moi je le bourrine, tu sais, je veux. Comme ça, là, pour le. Eh bah, fais-moi un jet de corps, s'il te plaît. Allez, go, hein. 6. Allez. Et effectivement, lui ne te voit pas arriver, il n'évite même pas le coup de croupe que tu lui donnes, bam. Et en fait, il va dévier et pff, se prendre un pommier avant de... descendre le long du tronc, comme ça. C'est le long du tronc. Moi, j'arrive derrière, je le vois, c'est... Oh, le pauvre. Et je trace jusqu'à la scène et... Et vous voyez ce spectacle, alors vous voyez Joy Smile en train de chanter. Vous voyez tous ces effets pyrotechniques autour, il y a un orchestre d'instruments comme ça qui volent dans l'air, mu par une lumière verdâtre, et vous avez au centre cette espèce de grand poney étrange que j'ai décrivé tout à l'heure, ce grand licorne étrange qui semble, son aura verdâtre qui semble augmenter, et vous entendez au loin le bourdonnement, des milliers de bourdonnements qui arrivent, qui approchent. J'ai entendu, moi, ça. Et moi, je hurle, moi. Fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît. Ça tombe bien, c'est ce que je sais faire le mieux. C'est parti. Oui. Et effectivement, tu en tenant ta note... Et tu t'arrêtes. Tu vois tous les poneys qui sont comme ça. Avec les pupilles, tu sais, qui se sont rétrécies, ils ont les yeux maintenant qui sont tout verts. Ouais. Ils te regardent, tu vois une lumière verdâtre qui s'étend devant toi. Et Là, moi, je fais « Arrêtez tout !» Je crie à tout le monde « Arrêtez tout !»« C'est un changelin !»« La licorne !» Enfin non, « Moon Dancer, c'est un changelin !»« Huella !» Et moi, j'étais en train de me retourner. Et là, tu vois cette immense licorne noire
aux cheveux verts, enfin la crinière verte, qui te regarde avec un grand sourire. Alors ça, c'est pas classe. Oh, si. Ça, c'est très, très, très classe. Et en fait, je commence à reculer, tu vois, en arrière. Et, et tu tombes dans la foule des poneys qui ne bougent même plus. Comme ça. Est-ce qu'il y a, le gâteau avec les pommes et tout et les machins qui est dans la salle ou pas? Il est à côté de la scène. Eh ben moi, je prends le gâteau et je lui balance dessus. Fais-moi un jet de corps, s'il te plaît. Et moi, je cours à travers les poneys en leur donnant des petits coups de fesses en disant « Allez les amis, réveillez-vous ! Allez les amis, réveillez-vous !» Ce qui ne marche absolument pas. Tu vois qu'ils sont complètement subjugués. Nous, on en est où ? Et vous, vous arrivez à ce moment-là. Vous la voyez qui tente de lancer. Fais-moi ton jet. Moi, j'ai fait 2. Excusez-moi, je vais prendre mon dé. Moi, j'ai fait 10. Oh, merde! Eh bah oui, maintenant elle est à pleine puissance. Ah, mais non, mais t'as fait 10 alors. Relance-le! Faudrait que tu lances un des 20. J'ai pas de symbole. Attends, oui, j'ai étonné. Bon, bah non. Et tu lances le gâteau, mais en fait, tu vois sa corne qui se met à briller de cette lumière verte et le gâteau qui se fige. Wow. Oh puis, non, notre gâteau qu'on a mis si longtemps à faire! Tout à coup, se déchire en plusieurs morceaux et vous percutez tous les 5. Vous perdez chacun 2 points de robustesse. Ah bon? Parce que moi j'allais dire. Ouais. Il était bon quand même. Il est quand même bien. Ah, il est bon? Bah, il est pas si mauvais que ça. Mais. Ça a fait mal quoi. Mais ouais, ça a fait mal. Et on peut continuer à voler nous? Oui, vous pouvez continuer à voler. Alors moi je fonce sur la madame là. Ouais. La Moon Dancer. Je sais pas pourquoi. Fais-moi un jet de corps. Tu fais un jet de corps? Ouais. 3. Bim. Et même chose, sa corne s'illumine et. Le moment où tu arrives, bam, tu heurtes un espèce de champ de force vert qui t'empêche de l'approcher. Et pendant ce temps, elle continue à grandir en riant et en vous regardant, et ce rire tonitruant qui emplit complètement l'air, l'espace, tout Poneyville, comme si ça résonnait jusqu'à Cantelotte. Moi j'ai peut-être une idée, peut-être que je pourrais communiquer avec les autres poneys et leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent. Non, c'est pas des animaux, c'est des poneys, c'est autre chose. Non mais sinon, donnons-nous la main et tous ensemble, diffusons notre amour à nos amis poneys pour qu'ils s'accrochent à nous et pas à elles. Oui, essayons de les entourer ça, peut-être. Donnons-nous les sabots. En plus, elle a pourri mon numéro. Personne peut avoir plus la classe que moi. On a chanté la chanson du village. Vous savez, la chanson qu'on chante tout le temps quand on est tous ensemble. Oui. J'adore quand tu lances des idées comme ça. Allez, maintenant débrouillez-vous, trouvez des paroles. Chantez quelque chose. La chanson, c'est une chanson d'amour. Et elle dit amour, amour, amour. Les poneys, les poneys. J'illumine ma corne pour attirer l'attention des autres poneys. Et on dit tous ensemble, les poneys de Poneyville, avec tout notre amour. Amour. Et moi, je la regarde dans les yeux chacun, genre, tu es très beau, toi aussi t'es très beau, toi t'es super beau, un peu moins que moi, mais t'es quand même beau, et toi aussi t'es beau, et toi aussi t'es beau. Peut-être que je pourrais essayer de leur faire une blague. Faites-moi un jet d'esprit, tous, parce que là, vraiment, ou alors dépensez-moi beaucoup de pierres. Beaucoup. 4 sur 4. On a trop bien chanté. Amour. T'es super beau. Toi aussi t'es beau. T'es génial. Amour, t'es super. Amour. Toi t'es incroyable. Et toi t'es vraiment câlin. 4. Moi c'est petit 4. Bah c'est le maximum. Bah c'est max. Mais tu. Ouais. Est-ce qu'il peut pas. Ah oui toi. Ah mais je peux pas relancer. Ah il faut. Allez, qui c'est qui fait 3 là? Il faut qu'on ait un truc critique là. J'ai fait 5. Donne-lui en 1 et utilise les 3. Pas besoin de lancer de dés. Tiens. Comme ça on fait 20. Je sais que tu aimes les choses qui brillent. Oh. Tiens. On t'en trouvera d'autres. Du coup, il fait plus rien. Joli smile, je t'en donnerai plein d'autres si tu veux dans les prochains jours. Donne-le au MJ qui est pas là, mec. Cette force surnaturelle qui est située sur ta gauche. Voilà, à se concentrer d'amour qui va nous aider à gagner. Et là, je redouble de force et d'animation pour aller vraiment tous les prendre à part. Ah, t'es super beau. Il leur donne plein d'amour, tu vois. Continue à chanter avec cœur.
Et alors que vous chantez cette chanson un peu étrange, en fait, c'est surtout la combinaison de l'effort de Jolly Smile et de la magie de Happy Shakes, qui commence à faire effet avec effectivement votre aide autour. Et les poneys commencent à se réveiller les uns après les autres. Yes. Les uns après les autres. Vous voyez la foule qui savent pas trop où ils sont, ils savent pas trop ce qui se passe. Et assez rapidement, la créature qui est derrière vous commence à réduire son aura, réduit. Et là, de la corne d'Happy Shakes commence à se diffuser une espèce de bulle qui va grandir et évacuer. La créature évacuait tous ces petits points noirs que vous voyez au loin, qui étaient certainement d'autres changelins, qui s'envolent. Et ensuite elle fait caca arc-en-ciel. Des paillettes. Super. Belle conclusion. Jolie fin. Ouais. Super, c'est la meilleure fin qu'on ait faite. J'adore tous les gamins. Et vous vous retrouvez sur cette scène qui, tout à coup, repart en... T'as un projecteur qui tombe. T'as des instruments qui se pètent la gueule. Ça pète à moitié la scène. C'était pas trop mon fort de construire la scène, mais j'ai quand même fait un super numéro. Ouais, c'est pas grave, Jolie Smile. C'était ta plus belle représentation. Ouais, c'était ton heure de gloire. Tu peux nous le refaire ? Plus tard. Mais non, regarde, on est tous là, on attend que ça. Il faut fêter notre victoire. Il y a plus de scène. T'as pas besoin de scène pour briller. Et d'ailleurs, en fait, la vraie Moon Dancer... Mais peut-être qu'il n'y a jamais eu de Moon Dancer. Mais oui, c'est pas une vraie. Vous croyez ? Bah oui. Et Granny ? Elle est là ? Et au loin, vous entendez... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Granny ! Mais alors, où est passé l'invité Moon Dancer ? C'était un changelin, Granny. Va falloir qu'on vous raconte tout, hein, Granny. Parce que vous avez tout loupé. Granny, faut que tu fasses attention quand t'invites des invités. Ouais. Bah écoutez, très bien, venez avec moi, je vais vous faire un bon thé. Et puis vous pourrez me raconter tout ce que vous avez à me raconter. Tu as raté le plus beau spectacle que Jolly Smile ait jamais fait. Ah, bah j'en verrai d'autres, hein, parce que jusqu'à maintenant c'était pas trop ça. Alors, eh bien, allez, entrons. Qu'est-ce que... Hé Granny, est-ce que vous avez d'autres contacts de magiciens qui font du moonwalk? Qu'est-ce que c'est que le moon? Je comprends pas. Rentrez, je vais vous donner à manger. En tout cas, c'est grâce à l'amour de tous les poneys de Poneyville qu'on a pu... Ah, tu l'as pas tenu jusqu'au bout. Assume-le. On a appris encore une belle leçon aujourd'hui. Oui, c'est grâce à ta chanson. C'est grâce à notre chanson. Ouais, enfin, c'est la chanson de, pas trop des paroles. De notre village. Ouais, c'est tout notre amour qui a pu faire reculer les changelins. Oui. Elle assume tellement pas. Elle assume pas de conclusion. Vas-y, il faut que je fasse une fin géniale. Son mais amour non. De lui-même et notre amour collectif. Il faut d'abord s'aimer soi et aimer les autres. D'abord s'aimer soi pour aimer les autres. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Pour un joli scénario de My Little Pony Tales of Equestria. Yeah. On a beaucoup rigolé. Ouais. Non, mais c'est trop cool. Ah, grave, c'était trop bien. Moi, j'en veux encore. C'est trop bien, ça désinhibe complètement quand même. Complètement. Et on s'amuse et tout, c'est chouette, quoi. C'est très chouette. Ouais, c'était très cool. Ça vous a plu ? Oui. Oui, carrément. J'espère que ça vous a plu. On va parler comme ça toute la soirée. Oui. J'espère que ça vous a plu aussi dans votre petite maison, derrière votre YouTube. Non, en tout cas, c'est vachement marré. Non, c'était super cool. Et du coup, oui, c'est un jeu, en fait, qui... Alors là, on l'a joué entre adultes, mais c'est un jeu qui marche vachement bien avec les gamins, quoi. Bah ouais. Ça marche vachement bien. Et je pense que... Je pense que... Voilà, peut-être qu'on refera un one-shot de ces jours. Oui. Parce que c'était sympa. Le pouvoir de la corne. Mais sans Jolly Smile, par contre. Ouais, sans Jolly Smile. Jolly Smile... Il a trop de place. Ah, la star, là. Moi, c'est grave. Je m'imagine avec un maquillage à la crise. Ouais. Avec des paillettes. Voilà, ouais, avec le poney. Il est en loge. Il est en loge, il boit du jus de pomme à la paille.
Non, là, j'ai pas le temps de recevoir mes fans. Eh ben, cette histoire sera pour une prochaine fois. merci, Trinity, de nous avoir accompagnés. Ouais, c'était trop cool, là. J'ai moins parlé que d'habitude, mais oui, c'était trop bien de... Non, mais en fait, c'était trop inquiétant de les regarder jouer, quoi. Vraiment, j'étais absorbée par vos histoires de scène, vos histoires de gâteaux. Non, c'était super cool. Super. Ouais, grave. Eh ben, on fera ça un de ces jours. Ah bah, franchement, vas-y, on fait la suite. Okay. Bon, il nous reste encore un peu de temps, je pense, donc on peut se le permettre. Mais on va pas le faire devant la caméra, ceci est une autre histoire. Nous, on va vous dire au revoir, à très bientôt. Et on vous retrouve pour un prochain one-shot sur la chaîne Roleplay, du coup. À très bientôt. Bye bye. Ciao.